Hey, bonsoir tout le monde! Et bienvenue en ces temps troublés sur Millennium Lifeplay pour du speedrun de Landstalker encore, étant donné que je travaille toujours ce jeu. Donc, ce soir, on va faire du 100%, comme la semaine dernière, sauf que j'ai décidé de switcher mes 100% sur la version japonaise de Landstalker. Donc globalement, ce que ça change, déjà les textes vont plus vite. Ça c'est une base. Ça c'est une base étant donné que les caractères en japonais. Ah, j'ai oublié mon W split. Les caractères en japonais en fait s'affichent plus rapidement, étant donné que plus d'idéogrammes pour moins de texte finalement. C'est la base. Donc, je vous affiche mon W split. Vous ne le voyez pas, ce n'est pas normal. Remove. Bon, je refais un truc rapido, ne vous inquiétez pas. Non. Alors oui, c'est fait à la pisse, hein, étant donné que nous sommes dans la tourmente en ce moment. Donc, alors, j'ai même pas le bon habillage. GG. Voilà, c'est celui-ci. Et donc, on rajoute le W split. Le voici, le voilou. On est bien. On est très bien. POC! Voilà. Ok, désolé de cette intro totalement du drame. Ce n'était pas très bien. Bon, ok. Est-ce que je parle le japonais? Eh bien, pas du tout. Mais on s'en fout. On s'en fout étant donné que je connais le jeu par cœur. Et de toute façon, c'est pas le scénario qui nous intéresse. Et les objets, il y a l'image dans l'inventaire. Donc vous allez voir la version japonaise. C'est pas un souci. Bon allez, on est parti. Ok. Et donc si vous avez des questions sur la version qu'on va jouer, eh bien on va y répondre pendant l'intro. Donc déjà, juste pour info, pour vous dire vraiment que les textes japonais s'affichent plus vite que les textes américains, l'intro dure environ 20 secondes de moins en japonais. Tout simplement parce que, bah, pour dire la même chose, le japonais prend moins de caractères. Donc forcément, les textes vont plus vite. Tout simplement. Donc voilà la raison principale pour laquelle les speedrunners préfèrent jouer sur la version japonaise. Non, non, après, la fluidité, c'est exactement la même. J'ai trouvé des bugs qui ont visiblement été corrigés sur la version américaine. Notamment une quête annexe qui est un petit peu buggée dans la version japonaise, donc il va falloir faire attention quand on va la faire. Mais globalement, le jeu reste tout de même relativement proche, hein. Et surtout que, comme je vous l'expliquais, tous les objets qu'on ramasse, dans l'inventaire, ils ont une image collée. Donc c'est vraiment pas un problème pour s'y retrouver dans l'inventaire. Les couleurs changent, non. Tout est pareil. Il y a quelques items qui ont changé de skin, mais sinon, après, tout le reste est à peu près normal. Donc voilà, donc l'intro en américain dure 3 minutes 54. Au bout de 3 minutes 54, je peux jouer. Et là, c'est plutôt en 3 minutes 36 ou 38, je sais plus. Donc on gagne déjà, juste en mettant la version japonaise, on gagne 20 secondes par rapport à la version américaine. Et ce sera pareil pour tous les textes du jeu. Alors oui, les catégories des speedruns sont fonction de la langue du jeu, bien évidemment. Étant donné que, ben, sinon ce serait un avantage pas loyal pour les versions japonaises, etc. Mais souvent on fait le distinguo, voilà, le meilleur temps sur la version US c'est ça, le meilleur temps sur la version japonaise c'est ça. Mais je vous avoue que sur des jeux où, par exemple des jeux de plateforme où il y a très très peu de texte, etc. Tout le monde s'accorde sur une seule version, quoi. C'est pas un gros souci à ce niveau-là. Non, pas de cheat pour les Japs. Alors,
Il y a quelques trucs annexes qui sont autorisés dans certains speedruns japonais. Notamment dans les speedruns de Final Fantasy, les japonais s'autorisent des boutons turbo. Des boutons turbo pour passer les textes plus rapidement. C'est tout. C'est tout ce qui s'autorise. Et les japonais sont beaucoup plus frileux en tout ce qui concerne utilisation de bugs, etc. Notamment sur les FF encore, qui utilisent tout un tas de mécaniques cassées dans le jeu. Par exemple dans FF6, vous avez des... vous pouvez manipuler certaines parties du jeu. Il y a certains runs, il y a même beaucoup de runs en japonais qui n'utilisent aucun glitch, qui font le jeu vraiment... vraiment sans tricher, entre guillemets, sans utiliser de glitch ou de bug. Et donc c'est assez paradoxal, ils ont les versions les plus rapides, mais souvent ils se laissent des impératifs qui font que les runs sont plus longs, donc c'est assez bizarre. Voilà, c'est ça, vous voyez, on commence à 3 minutes 34, alors que sur la version américaine on commence à 3 minutes 54. Donc rien que l'intro, on gagne 20 secondes à utiliser cette version, c'est quand même craqué. Donc, on va faire du 100% ce soir, je le rappelle. Donc, le 100%. Je le rappelle, ça va être récupérer tous les objets du jeu, donc tous les objets clés. Donc, pas les objets d'inventaire, hein, étant donné que c'est absolument inintéressant. On va récupérer tous les livestock, donc tous ces trucs-là qui sont dans les coffres et qui m'augmentent mes points de vie de 1. On va acheter tous les livestock au marchand, sauf un qui est infini. Donc forcément, on va pas l'acheter à l'infini, ça n'a aucun sens. Et on va aussi récupérer tous les objets d'équipement, ainsi que tous les arbres de téléportation qui sont dans le monde. Donc voilà, sachant que si vous connaissez Landstalker, il existe un objet qui vous dit la quantité de chambres, enfin de pièces que vous avez visitées dans le jeu. Et donc il y a moyen d'atteindre 100% des pièces visitées. Mais vidéoludiquement parlant, ça n'a absolument aucun intérêt. Parce qu'il faut visiter à peu près 15% ou 16% du jeu où il n'y a absolument rien à voir. C'est des salles vides ou sans objets, sans ennemis, sans absolument rien de rien. Donc c'est très très chiant de visiter toutes les salles, etc. Donc j'ai décidé de pas faire ce 100% là parce que je le trouve parfaitement inintéressant. Je fais un 100% à ma sauce. Et donc ma sauce, c'est de récupérer en gros tous les objets du jeu. Voilà. Donc ne commencez pas à gueuler à base de « Ah, mais c'est pas un vrai 100% ». Oui, ce n'est pas un vrai 100%. Mais il faut savoir que dans la communauté des speedruns, en fait, ce sont les joueurs qui définissent quel est le 100% d'un jeu. Vous voyez, c'est pas... Chaque 100% de chaque jeu est différent. Évidemment, on va pas avoir le même 100% dans un jeu de plateforme et dans un RPG. Donc en fait, ce sont les personnes qui runnent le jeu qui vont décider des trucs à effectuer pendant un 100%. Voilà. Ah oui, ce n'est pas un 100%. Ça y est, ça commence à dissidenter. Allez, rapproche-toi de là. Bon, allez, on s'en fout. On ira plus tard. Ah, mais de rien. De rien pour le stream. Hein. On s'est fait guaquer par le yinche. Ce n'est pas grave. On ira plus tard. Ah non, mais vous avez le droit hein, de balancer des... Ah, c'est pas un vrai 100%. Je vous donne l'autorisation. Est-ce qu'on peut spam? Bah oui, jusqu'à ce que je te banne. C'est facile. C'est facile. Prochaine AGDQ, le 25 juillet, je crois. Et c'est la SGDQ, d'ailleurs. C'est la Summer Games Done Quick, le prochain marathon de la SDA. Sachant que vous avez un autre marathon de speedrun la semaine d'avant, qui est européen, cette fois, qui s'appelle l'ESA. Qui est l'European Speedrunning Association, je ne sais plus quoi. Et donc voilà, vous aurez du speedrun à l'infini pendant l'été si vous savez où chercher. Sachant qu'il y aura un restream FR des deux événements.
de l'ESA et de la SGDQ. Qui vont par contre se passer à deux endroits différents, donc tenez-vous au jus, hein. Tenez-vous au courant. Ouais, c'est ça, ta gueule. Hop, je te pique ton coffre, c'est la base. Alors, ne vous excitez pas, la raison pour laquelle j'ai gagné 2 minutes, c'est parce que je n'ai pas splitté au même moment que la dernière fois. Le prochain split va être environ 2 minutes derrière. Voilà. Donc on ne s'excite pas sur ces 2 minutes en moins. Elles vont partir bientôt, malheureusement. Même si j'aimerais bien commencer le jeu avec 2 minutes d'avance sur mon temps. Ce serait sympa. Donc, pour vous parler un petit peu des mécaniques du jeu. Le black screen, je t'invite à rester quelques temps, l'image va apparaître. C'est un problème de Dailymotion lorsqu'on stream avec OBS. Donc, malheureusement, je n'y peux pas grand-chose. Donc, reste un petit peu sur la page, ça devrait apparaître, sinon F5. Non, pas X-Split, parce que Le codec son qui est filé dans XSplit est absolument dégueulasse. Donc du coup, je préfère utiliser OBS et avoir un codec son potable que de me taper du bruit blanc monstrueux avec OBS. Bah, ce bug ne partira jamais. Bah non, tant que Dailymotion ne change pas ses... Ne change pas ses routines de streaming, non, c'est bien possible qu'on se tape ce bug à l'infini, malheureusement. Mais j'ai eu ma période XSplit, hein. Si vous allez sur mon Twitch, vous pouvez aller voir mes premières VOD et vous allez voir que le son, à la fois enregistré du jeu et de ma voix, il est absolument immonde, hein, par rapport à ce que je vous offre maintenant. Sachant que j'ai pas un micro de hyper bonne qualité. Mais pour le coup, c'était vraiment, vraiment très, très haut. C'était très mauvais, quoi. Sur XSplit, version gratuite, c'était vraiment, vraiment pas terrible. Donc, bon. Entre du son correct et 20 secondes de noir sur Dailymotion, hein, j'ai fait mon choix. Ah, est-ce que le voisin va bien? Eh bien, oui. Il était sur le balcon juste avant que je stream. Hein. Donc, malheureusement, il est rentré quelques minutes avant que je commence. Donc, c'est un peu triste. Non, mais maintenant, les beaux jours arrivent. Donc, je vais être obligé d'ouvrir mes fenêtres pour aérer un petit peu. Parce qu'il fait chaud, quand même. Et du coup, on risque d'avoir des nouvelles croustillantes. Mais ce sera notre fil rouge, hein. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai si mon voisin décide de passer sa vie sur son balcon, ce qu'il fait d'habitude. Ah, le faire streamer avec moi. Ah, c'est une idée. C'est une idée. Pourquoi pas. Ok. Donc 11 points de vie, c'est un de moins que ce que j'ai d'habitude, mais c'est parce que j'ai pas récupéré le truc avec le chien. Donc on fera ça en revenant dans la ville. Avant, c'est la version US que je streamais. Étant donné que les jeux européens, parfois, ont des...
ont des problèmes de vitesse, même passer sur émulateur. Donc, je préfère avoir un framerate constant à 60 images secondes plutôt que de tenter la version européenne qui sont parfois buggées. Ouais, 60 Hz aux US et dans les jeux japonais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Raté. Putain. Je vais y arriver. Voilà. Ouais, bah on en discutait justement avec Susanoo de la version européenne de certains jeux. Parfois, il arrive des quenelles assez bizarres, hein, je vous avoue. Alors que Dailymotion chie dans la colle. Tiens, c'est bizarre ça. Ça me l'avait jamais fait, dis donc. Oh, wait! Oh, wait! Le jeu, c'est Landstalker sur Mega Drive. Oui, je joue sur émulateur. Mais par contre, je joue sur un émulateur qui émule parfaitement la console. Ce que j'entends par là, c'est que certains émulateurs, en fait, sont optimisés pour enlever les lags de la console. Si vous voulez, pour vous expliquer, il y a certains jeux qui, sur leur console d'origine, rament à certains moments. Bon, d'accord ? Et en fait, il y a certains émulateurs qui enlèvent ces lags, qui enlèvent ce ramage. Et donc du coup, ce genre d'émulateur est banni de la communauté des speedruns, étant donné que le fait de jouer sur cet émulateur-là va en fait apporter des avantages à celui qui joue sur émulateur par rapport à celui qui joue sur console. Donc, il existe d'autres émulateurs qui, eux, font exprès de faire ramer le jeu quand le jeu devait ramer sur la console. C'est le cas de l'émulateur que j'utilise, qui s'appelle Kega Fusion. Qui est un émulateur en fait qui fait tourner à la fois les jeux Game Gear, Mega Drive et Master System. Donc en fait, quand je joue sur cet émulateur, je joue exactement dans les mêmes conditions que si je jouais sur console. Vous voyez le principe ? Allez, dépêche-toi. Merci. Est-ce que je joue à la souris? What? Bon, est-ce que quelqu'un peut lui expliquer les bases, s'il vous plaît? Un jeu console, d'habitude, ça se joue plutôt à la manette. Je vois pas comment on pourrait jouer à ce jeu à la souris, mais bon, bref. Alors, voilà, ça c'est une question plus intéressante. Une manette Mega Drive sur un PC. Alors déjà, oui, parfaitement. Il y a des adaptateurs qui marchent pour brancher tous les types de manettes. Mais là, tout de suite, en fait, j'utilise une manette Mad Catz Fight Pad. Vous savez, c'est les manettes avec 6 boutons en façade qui sont sortis au moment de Street Fighter 4, etc. La raison pour laquelle j'utilise cette manette, c'est parce que la Mega Drive avait 3 boutons en façade.
Et du coup, bah, lorsque j'utilise une manette comme cela, ça me permet d'avoir exactement le même feeling qu'une manette Mega Drive de l'époque. Voilà, tout simplement. Donc voilà, sur quoi je joue ? Sur le Fightpad Mad Cat 5, qui est probablement la manette qui se rapproche le plus d'une manette Mega Drive en ce moment. Elle est un petit peu plus douce au niveau du D-pad, ce qui n'est pas forcément un bien d'ailleurs. Mais globalement, ouais, le feeling se rapproche quand même un petit peu, donc c'est sympathique. Oui, c'est ça. C'est la même manette que leur DVD, exactement. Bah, surtout, ce qui est pratique sur cette manette, c'est que c'est très facile d'en trouver encore maintenant, étant donné qu'elles sont rééditées de façon régulière, grâce à Street Fighter X Tekken, etc. Donc, on peut trouver cette manette en quantité. Et ça, c'est toujours un bien. Rayman Origin, non, j'ai pas testé, mais oui, effectivement, ça pourrait être un speedrun correct. Salut Manitou. Mon jeu de prédilection, bah je sais pas s'il y a vraiment un jeu, ce qu'on peut dire s'il y a vraiment des jeux de prédilection en fait. Je fais surtout des jeux Mega Drive, c'est tout. C'est à peu près tout ce qui définit mon speedrunning. Étant donné que j'avais la Mega Drive quand j'étais jeune, le speedrunning se fait quand même principalement surtout sur des jeux rétro. Et vu qu'il faut connaître déjà pas mal le jeu avant et surtout aimer le jeu. Du coup, bah, les jeux que j'ai le plus aimé en rétro, bah, c'est ceux que j'avais quand j'étais petit, c'est-à-dire les jeux sur Mega Drive. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à ta question, mais après, des jeux de prédilection, bah, pas vraiment. Hein. Les jeux que je speedrun, je les aime tous, quoi. Speedrun le plus difficile ? Ouais, c'est probablement celui-là, parce que c'est le plus long. C'est le plus long, même si je pense en termes d'exécution, celui-là et celui d'Aladin, ils se rapprochent un petit peu. Celui d'Aladin est vraiment, vraiment compliqué au niveau de l'exé. J'ai des records perso. J'ai le meilleur temps mondial sur Aladdin Mega Drive US jusqu'à preuve du contraire. J'ai le deuxième meilleur temps mondial sur Landstalker. Je dois avoir le troisième meilleur temps mondial sur un... Non, pas sur Landstalker, sur la Légende de Thor. Je dois avoir le troisième meilleur temps mondial sur Landstalker. Et c'est moi qui ai défini le 100% sur Landstalker. Mais bon, vu que personne d'autre ne le run pour le moment, c'est en cours, on va dire. Non, mais oui, il y a des résultats qui tombent. Après, ça fait quand même un moment que je travaille mes speedruns. Mais ouais, je me débrouille pas trop mal, on va dire. Non, mais il y a beaucoup de jeux, hein. Enfin, même les FPS, etc. Les premiers, vous savez, les premiers speedruns, c'était du FPS. Hein. Le premier speedrun, c'était Quake. Hein. Premier speedrun répertorié en termes de qualité, de temps, etc. C'était complètement les speedruns sur Quake. Hein. Voilà, ça c'était un attrapage optimisé de Livestock, ça fait bien plaisir. Bah, il y a beaucoup plus grosse communauté de speedrunners de Quake que de Doom. Juste pour info, si, il faut que j'achète.
il faut que j'achète le livestock, pas oublier. Donc ouais, pour parler un petit peu du système de jeu quand même, tous ces machins là, tous ces gros cœurs qu'on récupère dans les coffres et qui augmentent notre vie de 1, donc vous voyez, on est passé de 14 à 15 points de vie maximum, c'est ce que vous avez en haut, ça m'augmente en plus ma puissance de frappe. Ce que j'entends par là, c'est que chaque fois que je récupère un livestock, le personnage va taper de plus en plus fort. Et donc, dans ce 100%, on va récupérer tous les livestock possibles du jeu. Et donc, à la fin du jeu, je vais vraiment taper comme un âne. Ça va vraiment être indécent. On va tuer le boss en moins de 10 coups, je crois. En 10, aussi, peut-être une quinzaine de coups. Alors que dans mon run normal, où je finis sans prendre tous les cœurs, je le tue en une soixantaine de coups, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi la différence de dégâts qu'il peut y avoir quand vous prenez tous les cœurs du jeu. Ok, salut, je prends ton coffre, je me barre. Non, je ne fais pas de tasse. Merci de ne pas m'envoyer de messages privés pendant que je run, parce que ça me fait changer de fenêtre. Merci d'avance. Fuck. Ah mais tout le monde peut se mettre au speedrun, hein. Ça demande juste un peu d'entraînement et puis la volonté de vouloir refaire votre jeu environ 80 fois. Donc il faut quand même avoir ça à l'esprit. Il faut attendre un petit peu si tu as un écran noir, l'image va apparaître. Il n'y a pas de problème, Jeannot. Il n'y a pas de problème. Tu le sais maintenant, donc tout va bien. Allez, on va récupérer notre première pièce d'équipement supplémentaire. Un petit passage de plateforme de l'enfer, hein, c'est la base. Ok, ça s'est passé à peu près correctement. Ouais, salut à toi, blablabla. Ah bah quand tu te lances dans un speedrun, bah il y a plusieurs méthodes en fait. Soit t'es le premier et tu dois essayer de trouver les mécaniques qui peuvent te permettre d'aller plus vite, etc. Mais souvent, je t'avoue que si c'est un jeu pas trop inconnu que t'as décidé de runner, il y a probablement quelqu'un qui s'y est attaché. Donc la première chose que tu dois faire si tu décides de speedrunner un jeu, eh bien c'est de faire des recherches plus ou moins poussé pour savoir s'il y a déjà des vidéos de fait. Sinon, tu dois écrire ce qu'on appelle une route. Et une route, ce sera le chemin que vous allez suivre, qui est le chemin le plus optimisé pour vous pour terminer le jeu. En récoltant tous les impératifs que vous vous êtes donné. Voilà. Mais sinon, y a pas vraiment pour le moment de site qui regroupe des stratégies de certains jeux, etc. C'est en cours, je ne vous en dis pas plus, mais c'est en cours. Mais toujours est-il que le plus pratique, c'est de chercher déjà une vidéo et d'aller voir sur les forums de la Speed Demos Archive. Donc Speed Demos Archive, qui est le plus gros site de speedrun du monde, qui référence plus de 500 jeux speedrunnés déjà, avec les vidéos et tout, et parfois même les stratégies qui sont utilisées pendant le speedrun, ce qui vous permet de vous y mettre si vous voulez. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai fait pour ce jeu, j'avais trouvé un TAS. Donc un TAS, c'est un Tool Assisted Speedrun, c'est-à-dire que c'est un speedrun qui est fait uniquement avec les outils fournis par les émulateurs.
Donc c'est un speedrun normalement qui est infaisable par un joueur normal, étant donné que ça, quand vous faites un TAS, vous avez une exécution à la manette parfaite. Et donc à partir de ça, je me suis écrit une route pour ce jeu que j'ai testé quelques fois. Et ensuite, je me suis aperçu que quelqu'un d'autre speedrunnait le jeu, donc j'ai regardé son run. J'y ai trouvé quelques stratégies intéressantes que j'ai ajoutées à ma route. Ensuite, Manitou ici présent, saucé par ce run de Landstalker, a commencé à chercher des stratégies par lui-même dont il m'a fait part sur mon Twitch, donc certaines stratégies que j'ai intégrées. Et bah au fur et à mesure, je découvre de plus en plus de gens qui speedrunnent ce jeu, donc du coup, bah au fur et à mesure, j'améliore ma stratégie, j'améliore ma route. Et à partir de toutes ces infos, j'ai écrit ma propre route 100%, donc c'est celle que je vous montre aujourd'hui. Alors ouais, bah le speedrun se développe, bah si tu veux, c'est tout dans la mouvance de l'e-sport, etc. Parce que au final, tout ça, il n'y a pas vraiment de compétition, si vous voulez, dans les speedruns. Mais c'est toujours le fait de pousser les jeux vidéo à leur dernier retranchement, vous voyez. C'est toujours le fait, vous voyez, de chercher les techniques, hein, les techniques les plus puissantes, les plus rapides, etc. Ça pousse les gens à chercher des trucs dans les jeux vidéo, et du coup, c'est vachement apprécié par pas mal de joueurs, étant donné que ça vous fait redécouvrir votre jeu d'autres façons. Parce que moi, qui ai fait Landstalker énormément quand j'étais petit, jamais j'aurais pensé à faire des stratégies telles que je vous montre aujourd'hui, quoi. Ne serait-ce même que les attaques de monstres, le fait de sauter vers les monstres et de les attaquer. J'ai jamais joué comme ça à Landstalker quand j'étais petit. Or, c'est clairement la meilleure façon de jouer à ce jeu. Étant donné que lorsque vous attaquez les monstres avec un coup d'épée, votre personnage il est cloué au sol, vous voyez. Vous ne pouvez pas bouger pendant que vous donnez un coup d'épée. Du coup, quand vous tuez des ennemis, bah, vous perdez du temps, tout simplement. Alors que si vous attaquez en avançant, bah, ça vous permet à la fois de vous déplacer, donc d'aller vers votre but, et en plus de tuer les ennemis. Donc c'est clairement la façon la plus optimisée de combattre les ennemis dans ce jeu. Et si j'avais pas fait du speedrunning, jamais j'aurais fait des stratégies comme ça, vous voyez. Donc c'est vrai que le speedrunning, ça permet de redécouvrir les jeux qu'on connaissait parfaitement quand on était petit, quoi. Donc c'est pour ça que c'est quand même un truc vraiment, vraiment très, très agréable à suivre, quoi. À faire et à suivre, hein, d'ailleurs. Ah, mais... Non, mais... Oh, peut-être pas les yeux fermés, mais disons qu'il faut... Déjà, il faut quand même pas mal connaître le jeu, parce que... Si tu perds du temps à savoir où tu vas, etc., ça va pas pour un speedrun. Il faut déjà connaître le jeu par cœur. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut prendre un jeu que vous connaissez et que vous aimez. Parce que sinon, l'apprentissage, il va être vraiment méchant, quoi. Il va vous prendre vraiment beaucoup de temps, pour le coup. C'est pour ça que je vous dis, si vous aimez un jeu, si vous aimez des jeux rétro, que vous aviez la Super NES, la NES, la Mega Drive quand vous étiez petit, je peux quasiment vous garantir qu'il y a quelqu'un qui a fait des speedruns sur vos jeux d'enfance, et du coup, si vous voulez vous y mettre, il y a complètement moyen. Complètement moyen. Fuck. Ok. Merci, Palen Pete. Bonne nuit. Thune. 20 gold. Donc attention, un boss monstrueux, très méchant. Voilà, c'était un boss. Qu'en pensez-vous? Ah, mais je vois que vous avez sué du sang et des larmes en me regardant tuer ce boss, hein, bien évidemment.
Donc je tiens à remercier mes parents, hein, bien évidemment. Je tiens à remercier le roi de Norvège, vous tous sur le chat, hein, parce que vraiment, c'était un accomplissement, hein, de tuer ce boss. Hein. Ah, mais... Je sais, c'était dur, mais j'ai vaincu l'adversité grâce à vous. Et donc, voilà. Merci à vous. C'est votre victoire à vous aussi, hein, bien évidemment. Ah là là. Bien sûr qu'il y a eu des speedruns sur Tortue Ninja sur NES. D'ailleurs, le record du monde est tombé il y a moins de 3 semaines, je crois. Oh, je sais plus, je crois que c'est Fizzle qui l'a fait. C'est Fizzle qui l'a fait. Il l'a fait en 19 minutes 07, je crois. Me semble-t-il. Un truc comme ça. Il a dû améliorer d'une quinzaine de secondes le précédent record. Batman sur NES aussi, hein, complètement. Il est complètement rené, ce jeu. Hein. Il est fini en 6 minutes, 6 minutes et des bananes par Duckfist. Duckfist qui est un espèce de taré de la vie. Une sorte de machine à speedrunner absolument indéfendable. Et non, Angeloum, je n'aurais pas moins de temps pendant le... L'interlude musical, étant donné que la musique, elle dure le même temps. C'est juste le texte qui va plus vite. C'est juste le texte qui s'affiche plus vite, en fait. Donc non, la pause pipi va quand même durer... Va quand même durer 1 minute 11, je crois. Ah, je suis content. Je suis content. Bah, très franchement, il est pas si dur que ça. Il faut juste connaître les quenelles et le bon enchaînement des tortues, quoi, en fait. Après, oui, il est difficile, hein, entre guillemets, oui. C'est un jeu qui demande beaucoup d'exé et qui a beaucoup de quenelles à l'infini. Mais globalement, ça se fait, hein. Il y a des jeux beaucoup plus difficiles que les Tortues Ninja sur NES, hein, qui sont speedrunnés, hein, vous inquiétez pas. Ne serait-ce que le 106% de Meat Boy, voilà quoi. Un jeu que je pense jamais speedrunner. J'en sais rien, Call of Duty Ghost. Il est probable que je le speedrun jamais. Attention, le chien! Ah, le chien ne nous a pas permis de faire un skip. Ah, salaud. Salaud de chien qui n'était pas présent pour me faire sauter une marche. Ah, l'enfoiré de Yinche, quoi. L'enfoiré de Yinche. Alors que Dailymotion drop des frames à l'infini, je suis trop content. Je suis trop content. Ah, excusez-moi, j'ai donné un petit coup au micro, je vous demande de m'excuser. Ah, fuck. Non, si vous avez des images qui se figent, c'est parce que Dailymotion drop des frames à l'infini, donc je m'en excuse. Je m'en excuse malheureusement, mais Dailymotion chie dans la colle depuis environ 3 semaines, hein, ce qui commence légèrement à tous nous saouler, il faut avouer. Donc ouais. Si vous avez des frises d'images, hein, ça vient probablement du stream Dailymotion, donc je m'en excuse, mais je n'y peux pas grand chose malheureusement. Fuck. Ok. Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai utilisé un petit skip assez marrant. J'ai sauté sur la boule piquante, en fait. Et en fait, dans ce jeu, lorsque vous prenez des dégâts, vous êtes invincible pendant quelques secondes. Et du coup, pendant ces quelques secondes où vous êtes invincible, eh bien, vous pouvez, par exemple, sauter sur les ennemis. Parce que les ennemis ont une hitbox sur laquelle vous pouvez monter.
Donc en fait, vous pouvez vous servir de certains ennemis comme de plateforme, ce qui va nous permettre de faire des skips assez jolis, je vous avoue. Si, c'était un boss aussi, oui. Il a été encore infinisé, hein, comme d'habitude. Vous allez voir, hein, de toute façon, dans le 100%, il n'y a pas vraiment un boss qui pose des problèmes, à part peut-être un ou deux, mais globalement, Landstalker ne brille pas par la difficulté de ses combats de boss. Hein, je vous le dis tout de suite. Speedrun où j'ai le plus galéré, non, mais tu galères sur tous, en fait. Tu galères sur tous parce qu'une fois que t'arrives à faire un bon temps, à chaque erreur que tu fais, tu fous ton run en l'air. Donc du coup, c'est super chiant, quoi. C'est super chiant. Mais pour répondre quand même à ta question, je pense que celui où j'ai le plus galéré, c'est Aladdin. Étant donné qu'Aladdin, comme je vous dis, j'ai le meilleur temps mondial ou pas loin. Donc du coup, je suis vraiment... C'est dès que je fais une micro-erreur de une seconde, le run, il est à jeter, si vous voulez. J'ai pas besoin de continuer parce que je sais que je battrai pas mon temps. Donc c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est probablement le jeu où j'ai le plus galéré, comme vous pouvez l'entendre. Merci. Surtout qu'il y a encore deux grosses erreurs dans mon run d'Aladdin, mais le reste est tellement parfait, si vous voulez, que c'est trop chiant d'arriver à faire un run parfait plus se débarrasser de ces deux erreurs, alors c'est bon, quoi. Je suis descendu en dessous de 14 minutes, sachant qu'il y a peut-être une personne dans le monde qui a réussi à le faire, donc voilà, quoi. Ça me va très bien comme run, voyez-vous. Allez, on va ranger des pots! Ah ouais! On est un sauveur du monde, etc. Le plus grand chasseur de trésors du monde. Et qu'est-ce qu'on fait? On range des putains de pots. Chez une vieille madame. Voilà. Bah non, normalement j'aurais déjà dû les reperdre, donc non, on est bien en fait. En fait on est bien. Salut Joanne. En fait on est bien 2 minutes avant. Donc c'est cool. This is the urne. Vous inquiétez pas, hein, y a tellement moyen de perdre du temps dans ce jeu. Non mais ce que je vous ai dit au moment où j'allais en perdre, c'est arrivé, hein. C'est juste que j'ai réussi à regagner 2 minutes sur mon temps normal, quoi. Je veux dire, j'ai vraiment... Au début, j'avais vraiment 2 minutes d'avance parce que j'avais pas splitté au bon moment. Parce que la première fois que j'avais fait ce split, je m'étais planté, en fait, je l'avais fait un petit peu trop tard. Mais là, du coup, j'ai vraiment repris 2 minutes sur le run. Parce que normalement, cette erreur, je l'ai recorrigée au split d'après. Donc j'ai vraiment gagné 2 minutes sur mon run pour le moment. Donc on a re-aidé la vieille dame et elle nous a redonné un gold pour l'avoir aidé, cette pouffe. Et vu qu'on est un débile profond, on va la raider une troisième fois. Eh ouais, ah ouais. Ah, aidez-moi jeune elfe. S'il vous plaît, je suis très vieille. J'ai des courbatures, je ne peux pas ranger les putains de pots. Veuillez, s'il vous plaît, le faire pour moi. Je vous payerai grassement. Tout ça, enfin bon, bref. Boum. Boum. On pose lui. Alors, bon, ne vous inquiétez pas. Il y a un intérêt. Voilà, je vous vois. Je vous vois déjà dire, mais pourquoi range-t-il les pots de cette pouffe? Et donc, en fait, le truc, c'est que si vous l'aidez
trois fois, cette gentille madame, eh bien vous avez un livestock. Et le plus marrant, c'est que si vous remontez là tout de suite, dans le... en haut, elle a déjà tout refoutu en l'air. Parce qu'en fait, elle nous dit que... voilà, en fait, le... vous voyez, collectionner les pots, c'est le hobby de mon mari. D'accord ? C'est son mari qui aime bien collectionner les pots. Et en fait, si vous lui reparlez une fois que vous avez rangé le truc, elle vous dit, ah oui, mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que moi, mon hobby, eh bien, c'est de déranger les pots et de trouver quelqu'un pour les re-ranger ensuite. Espèce de vieille pouf. Donc, elle vous fait délibérément perdre votre temps. Yay! J'ai lancé la bulle. Donc un petit jeu de merde. Un petit jeu de merde. Où on doit lancer la boule sur, sur une plateforme qui va hyper vite pour se faire de la thune. Et donc en fait, vu que j'ai pas beaucoup le droit à l'erreur, je préfère sauvegarder avant de faire chaque lancer en fait. Et donc voilà, ça me permet de pas perdre de thunes. Ok, joli. Joli. Donc ça fait deux. On va encore le faire deux fois. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que... une fois que vous avez gagné quatre fois à ce jeu-là, où il faut balancer le putain de boulet sur le... sur la plateforme, eh bien le mec, il vous dit... merde. Je me suis trompé de bouton. Bref. En fait, le mec, il vous dit « Non, non, vous êtes un tricheur, etc. Je veux plus jouer avec vous. Vous me faites perdre trop d'argent, tout ça. » Donc, malheureusement, il est impossible de se faire des thunes à l'infini en parlant à ce gentil monsieur. Allez, je le retente. Je suis un fou. Non, c'est pas bon, là. Ah, putain, l'enfoiré de tricheur, quoi. L'enfoiré de sale tricheur de méchant salopio. Nickel. Ok, 1728, c'est pas mal. C'est pas mal, je vous avoue. Bon, j'en ai foiré un, ce n'est pas grave. Allez, on parle. Assez gentil, monsieur. Salaud Arcadius, c'est ta faute! C'est ta faute si j'ai loupé! Ah! Ah là! À cause de ce chat! De ce chat dissident! Je vous déteste tous! Salaud! Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Ah oh là là, si vous ne connaissez pas ce magnifique site qui est Nanarland, hein, je vous le conseille. Je vous conseille de mater les vidéos sur Nanarland, hein, qui sont absolument garanties. Ah là là. Et oui, Chino, bien sûr, c'est aussi le principe, enfin, c'est aussi le plaisir de regarder du speedrun, c'est que les jeux que vous finissiez en demi-heure, trois quarts d'heure, quand vous étiez petit, les voir atomisés en moins de 20 minutes, c'est parfois assez marrant quand même, faut avouer. Oh mon dieu, indolient! Mon dieu, indolient! La ville rose in da place! Comment vas-tu, mon cher Dolian? Ah là là. Alors ça discute. Bon allez, pour vous parler un petit peu de ce qui se passe niveau scénario quand même. Nous sommes à Mercator. Mercator qui est la capitale de la ville. Et en fait, on s'aperçoit qu'il se passe des trucs pas nets dans ce château. Donc nous voudrions bien avoir accès.
Et en fait, en ayant fait dans la petite scène avant, on s'aperçoit qu'un des chevaliers s'est précipité dans cette maison bizarre à deux étages. Et en fait, pour rentrer dans cet établissement, il faut être vieux. Du coup, on va voir la diseuse de Bonaventure et Moustacheman is in the place. Oui, la capitale de l'île, s'il vous plaît, on se calme. Regardez-moi ça, cette moustache et ce catogan, cette classe ultime. Tout seul dans la chambre avec cette demoiselle. Eh bien non, bande de pervers. Friday est là pour nous remettre dans le droit chemin. Allez, mine-toi le train. Oui, faut attendre quelques secondes, l'image va apparaître. Donc voilà, on a retrouvé ce chevalier rouge un peu zarbi, là. Et en fait, il est lui aussi membre de cet endroit où il se passe des trucs pas tout à fait nets. Et en échange de notre silence, eh bien, il va nous inviter dans le château. Voilà, donc maintenant, on peut entrer dans le château et on va pouvoir continuer l'histoire. Donc, étant donné que c'est un 100%, je m'équipe de cet objet. Qui est la deuxième armure du jeu que normalement on n'achète pas hein, dans le run qui termine le jeu le plus rapidement possible. Mais cette fois, vu que dans le 100%, j'ai pour impératif de récupérer tous les objets du jeu, eh bien nous devons acheter cette armure. Ouais, alors ce 11 minutes 03, d'ailleurs, il utilise un skip qui est infaisable à la manette. Personnellement, j'ai jamais réussi, même avec les save states, à refaire ce glitch qui fait environ gagner 1 minute à 1 minute 30. Plus un autre skip qui est quasiment implaçable à la manette, donc en fait, je dois être à... Tu peux compter 1 minute 45 de plus. Je pense en termes de faisable à la manette. Donc je pense qu'il y a moins de 13 minutes faisable avec vraiment l'exé des dieux. Mais j'ai jamais vu ça. Hein. Même le meilleur connu serait un 13 minutes 20 et des bananes qui est un peu sorti de nulle part. Donc je vous avoue que c'est un peu un... Je ne suis pas sûr de la véracité de ce run, mais bon, admettons. Mais en tout cas, le glitch du niveau 9, il est impossible à refaire à la manette. Donc de toute façon, on pourra pas refaire ça. Un glitch, c'est un bug, c'est une erreur de programmation qui permet de faire des choses qui ne sont pas prévues normalement par le jeu. Ah, salut, c'est Harris. Oui, en fait, ça vient d'OBS. Quand on stream avec OBS sur un Dailymotion, l'image met du temps à se charger. Donc, j'en suis désolé. Le site en mousse, hein, tout ça. S'il vous plaît. Pourquoi je suis la servante? Pour ressortir de ma chambre. Tout simplement. Parce qu'en fait, elle m'a amené dans ma chambre pour montrer où elle était. Tout simplement. Et ensuite, elle me dit, voilà, vous reviendrez au moment du banquet. Voilà. Tout simplement. Voilà, donc il fallait juste parler à ce personnage. Ensuite, aller dans la cuisine. Et oui, enfin du speedrun. Enfin du skill sur ce site. C'est assez rare pour être souligné. Oh putain, mais non, mais ça parle mal. Non, mais ça parle mal, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je vous en prie. Ah, merci Adé, bonne soirée, tout ça. Salut Elgraham. Ah mon dieu, tu as entendu des choses. Attention! Je vous demande de raison garder.
une petite scène inédite dans la version européenne que j'ai décidé de rajouter au 100%. Étant donné que c'est une... que c'est une scène qui n'existe pas dans la version européenne, j'ai décidé de l'inclure à mon 100%. Oh mon dieu, pixelated boobies! Pixelated boobies, vous l'avez vu. Vous l'avez vu, c'est horrible. C'est horrible. Voilà. Vous l'avez vu. J'espère que vous en avez bien profité. Allez, trêve de plaisanterie. On recommence le speedrun maintenant. Voilà, donc la petite scène qui fait perdre une minute, mais bon. J'ai décidé de l'inclure. Peut-être un jour je le virerai, mais bon. Pour le moment, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah ! L'opéra de Landstalker. Ma pause pipi. Et voilà. C'était magnifique, c'était merveilleux tout ça. Et donc du coup, avec cette scène supplémentaire que je vous ai montrée, eh bien je perds du temps. Je perds du temps. Alors ouais, vous dites, je suis les servantes. Lui, il part avec 4 servantes, hein, le duc. Hein. Excusez-moi. Hein. La bête de CX. Hein. La bête de CX, hein, le duc. Hein. Ça, c'est les hommes de pouvoir. Hein. C'est les hommes de pouvoir, hein. Tu peux pas tester. Hein. Merde. Il fallait répondre oui à cet endroit. Et pouf. Pro tip, ne vous couchez jamais comme ça. Hop, full life gratos. Ça, c'est bon. Ah, mais je vous invite à essayer, mais après, je ne veux pas savoir le nombre de d'ostéopathes que vous aurez à faire. Hein. Je ne veux pas le savoir. Hein. Je ne suis pas responsable. Alors, parlez à ce gentil monsieur. Et voilà, carte d'acheteur. Ce qui va nous permettre de récupérer 4 objets inédits. Enfin, inédits. Qui seront obligatoires pour le 100%.
Un livestock. Ça fait toujours plaisir. Ah, la crypte. Un endroit qui peut être fort quenellier. Fuck. Raté comme un sac. Je sais pourtant qu'il faut pas... Il faut pas bourrer le bouton à cet endroit. Bah oui, j'ai un run. J'ai mon run de la légende de Thor qui a été commenté par mes soins et par Mister MV dans son émission hebdomadaire de speedrun sur Eugaming TV qui s'appelle les Speednimp. Donc j'étais un invité spécial et il m'a invité à commenter mon run avec lui. C'était il y a environ 3 semaines, je crois, me semble-t-il. Et c'était bien, bien sympa. Ouais. Ouais, guest star, tout à fait. Le véritable problème, ce sera la salle, pas à droite, mais encore à droite. Et ouais, je passe dans les murs. Parce qu'en fait, dans chacune de ces salles, vous avez une énigme. Vous avez une énigme qui consiste à éteindre les trucs, et vous devez à chaque fois résoudre un problème. Et dans la salle où vous devez passer... au travers du mur, eh bien, votre énigme, c'est parce que celui qui est enterré là, c'est un magicien. Et son meilleur tour, c'était justement un truc de passe-muraille. Donc en fait, à partir de cet indice, vous êtes censé... trouver qu'il faut, en fait, traverser un mur invisible pour pouvoir passer. Voilà. Allez, c'est ça, ferme ta gueule. Ok, 27 points de vie, je crois qu'on est bien. Oh mon dieu, le pauvre Dexter est en train de brûler. Oh, c'est vraiment triste ça. Oh mon dieu, il faudrait que je l'aide. Non. Not a single fuck was given this day. Ok. Et on se barre. Et voilà, le donjon est terminé. Oh mon dieu, on a gagné une seconde. Hype! Hype!
Non, je tapais pas dans le vide, parce qu'en fait, ce monstre, ce boss-là, la véritable enveloppe corporelle physique du boss, elle est invisible et se trouve trois cases sous la momie verte que vous avez vue. Donc non, on tapait pas du tout dans le vide, c'est même le boss de ce donjon est une énigme en fait. Voilà, donc c'est vrai que ça avait peut-être pas l'air très clair, mais... On a bien tapé le boss qui était en fait invisible et sur le bord de l'écran. C'est assez salaud, j'avoue. Bah je sais pas, dans un, c'est un donjon où il y a 8, il y a 8 salles, chacun avec sa propre énigme. Ça paraît logique d'avoir un boss à énigme aussi. Enfin, je sais pas. Moi, ça me paraît pas fou, hein, comme technique. Ah non, le temps que j'ai à côté ne vient pas d'un émulateur, ça vient d'un programme qui s'appelle WSplit, que vous pouvez programmer vous-même et qui vous permet d'avoir les temps intermédiaires dans vos speedruns. Donc c'est extrêmement pratique. Vous pouvez trouver ce programme sur Speedruns Life, par exemple, dans la rubrique Tools, qui regroupe tout un tas de programmes utiles pour le speedrunning. Et je vous avoue que ce programme-là est absolument indispensable, hein, ne serait-ce que pour connaître votre temps final. Et donc vous avez la possibilité de faire vos propres checkpoints, hein, que vous validez avec un bouton de votre clavier par exemple. Bah oui, les filles jouent à des jeux vidéo, Angeloum, je ne comprends pas. Bah oui. Elles ont droit aussi, tu sais. Ah, un petit endroit marrant. Un petit endroit marrant qui est en fait le village natif de Friday. Natal, pardon, excusez-moi. Village natal de Friday qui a pour particularité d'offrir des ek-ek infinis. Donc les ek-ek, ce sont ces machins qui sont en fait des herbes curatives qui vous rendent la moitié de vos points de vie ou qui vous ressuscitent lorsque vous tombez à zéro point de vie. Donc en avoir une quantité infinie dans cet endroit, c'est quand même bien sympathique. Et en plus, il y a un livestock pour y arriver, donc c'est vraiment un endroit sympathique. C'est vraiment un endroit vraiment bien pour se refaire des ek-ek rapidement. Et quand je parle infini, c'est que là, vous en avez 3, et s'il vous en manque, si vous revenez, bah, vous en avez encore 3. Hein. Donc c'est vraiment infini, là, pour le coup. Tant qu'il vous en manque, vous pouvez en ramasser. Alors oui, je n'ai pas pris le coffre. Oh mon Dieu, t'as oublié un coffre. Reset tout ça, ne vous inquiétez pas. On le prendra en revenant. Voilà, tout simplement. Non, c'est pas vraiment une perte de temps, étant donné que je prends un livestock qui est juste à côté, donc vu que c'est un 100%, je suis obligé de le prendre. Et en fait, de descendre dans ce village, ça me fait perdre une vingtaine de secondes, donc je préfère sacrifier une vingtaine de secondes et me retrouver avec le maximum de ek-ek au début du prochain donjon. Tout simplement. Parce que ça rend le truc plus safe, tout simplement. Ça va faire des sacrifices, hein, dans les speedruns. Et ça, c'est un sacrifice que j'accepte de faire. Hein. 20 secondes pour avoir des ek-ek infinis, ça me va. Sans déconner, hein. C'est un bon deal, je trouve. Je trouve que c'est un bon deal. Ok. Donc voilà, par exemple, là, il y avait un ek-ek à côté que j'ai pas pris. Oups. On est censé redescendre. Attendez, voilà. Ok. Mais je vois que vous commencez à penser vous-même en speedrunner.
Ah ah, peut-être des futurs speedrunners dans la salle, si vous dites « Ah, mais ce que tu fais là, ça te fait perdre un peu de temps, etc. » Eh bien, je vous invite à vous lancer, vous aussi, dans le speedrun de Landstalker. Peut-être qu'en ne prenant pas ces hackcakes, vous ferez un meilleur temps que moi. Donc je vous y invite, hein. Je vous invite. Allez, ici, on va prendre un hackcake, parce qu'il manque un petit peu de points de vie. Bah comme je vous ai dit, j'ai fait ça uniquement pour ramasser les hec-hec, mais il y en a après dans le jeu, hein. Y en a pas que là, hein, donc là c'est juste pour être safe quoi que je l'ai fait. Donc c'est peut-être effectivement du temps perdu hein, au final. C'est peut-être du temps perdu, hein, vous avez peut-être raison. C'est peut-être des améliorations. C'est probablement des améliorations à apporter d'ailleurs. Putain, j'ai réussi pour la première fois le skip de sauter sur la grosse boule à piquant quoi. Ok, est-sud-sud-est. Là, un secret. Ok. Sud. Ah, il y a complètement des speedruns de Zelda. Hein. Les Zelda, c'est quelques-uns des jeux les plus speedrunnés du monde. Aucun doute. N'importe quel Zelda qui existe, il y a probablement des speedruns de fait. Wow! Réussi du premier coup. Yes! Parce que je vous avoue que cette salle, c'est l'enfer! C'est l'enfer sur Terre, cette putain de salle. Bordel. Ah, c'est pas tous les Zelda où il y a des glitches. Hein. Il y en a beaucoup, il y a des gros glitches, c'est vrai. Tout ce qui est un Link to the Past hein, ou Ocarina of Time s'en est bourré, mais... Sinon, non, il y a des runs clean hein, de Zelda qui sont faits. Il hein. Y a même des catégories qui consistent à ne pas utiliser de glitch. Ça existe. Surtout sur Ocarina of Time. Ah, si tu n'as pas d'image, je t'invite à attendre quelques secondes, l'image va arriver. Ah merde, tu n'as pas besoin de les tuer ces ennemis-là. Bon, bref. Ce n'est pas grave. Bon, ça c'est un glitch que je vous ai pas expliqué, mais bon. Il faut savoir que dans ce jeu, lorsque vous sautez et que vous attaquez, si vous changez de direction lorsque vous sautez, ça va attaquer aussi dans la prochaine direction. Donc en fait, vous pouvez attaquer à quasiment tous les endroits possibles si vous êtes assez rapide sur votre manette. Ce double, en fait, c'est une épreuve que nous envoie Mir, donc le mec que vous voyez ici qui est caché dans sa tour. Allez, viens ici, salopard. Ok. Le décès.
Oh my god! Hype! Hype! Ouais, c'est vrai, GG à lui. Il m'a posé quand même quelques soucis, j'ai dû pas mal lui courir après. Le combat était assez dégueu. Mais c'est vrai que ça change quand même des autres boss qu'on a combattu avant, hein, je vous avoue. Ça, je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Le voici. Le voici, le coffre que l'on n'avait pas pris à l'aller. Il faut attendre un petit peu, Mara. Ok. Ok, donc maintenant qu'on a fait tout ça, quand même. On peut aller reparler au duc de Mercator, parce qu'en fait, on s'est aperçu que le mec à qui on devait péter la tête, donc Myr, le mec dans sa tour, en fait, c'est le frère du duc. Et le duc, c'est un gros méchant qui essaie de détruire le monde, enfin, des trucs pas très sympas, quoi, globalement. Et donc, il a enfermé Myr dans cette tour. Parce que Myr n'arrêtait pas de lui dire « Bah, c'est pas bien ce que tu fais, etc. » Est-ce qu'il y a moyen de gagner du temps en ne tuant pas les mobs? Alors, le truc c'est que dans ce run, je dois acheter pas mal de trucs aux marchands. Donc j'ai besoin des golds. J'ai besoin des golds en fait. C'est pour ça que quand il y a des ennemis vraiment très proches de ma route, je prends le temps de les tuer parce que de toute façon j'ai besoin de l'argent pour acheter tout un tas de trucs aux marchands. Voilà, donc cette espèce de bâtard nous a volé nos deux joyaux et se barre comme un malpropre en nous balançant dans les douves du château. C'est pas très sympa globalement, il faut avouer. Il a même doublé ses servants en les envoyant eux aussi se faire torturer, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, il est vraiment très méchant ce duc. Ok, très bien. Encore des pots, ouais, mais bon, là, il faut juste les balancer sur les quatre coins, donc ça va. Sachant qu'en fait, vous n'avez pas besoin de les balancer sur les quatre coins, puisque vous pouvez vous-même monter sur le quatrième coin, ça marche aussi. Ça vous permet d'ailleurs de gagner quelques centièmes de seconde. Au lieu de ramasser le pot, vous sautez vous-même sur la plateforme. Ça fait pas gagner un temps infini, mais bon, ça fait gagner quand même quelques frames, donc bon, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Donc là, il y a deux coffres que je vais pas prendre. Donc ce coffre-là, je vais le prendre parce que c'est un livestock. Et ça, c'est important. Par contre, là, voilà, il y a deux coffres en bas que je vais pas récupérer. Ok, donc maintenant qu'on a retraversé les caves du château, on se retrouve dans le château, du coup, de par le fait. Les clés se mettent dans leur emplacement d'inventaire automatiquement. Tous les objets que vous ramassez ont leur place d'inventaire dédiée, donc après vous pouvez pas les modifier ou que sais-je, l'ordre est prédéfini par le jeu.
J'ai pas calculé Arcadius, mais je crois que j'ai besoin d'environ 5000 gold dans la partie en entier. Donc oui, j'ai encore besoin de gold à l'infini. Voilà, et là par contre, on n'a pas besoin de tuer les chevaliers verts, étant donné que la porte s'ouvre directement. Donc on n'a pas besoin de s'emmerder à les tuer, surtout que dans un espace aussi exigu que ça, c'est un peu dangereux. Bon, du coup, je préfère passer à côté. Non, tu peux pas les mettre en haut pour ouvrir les portes plus rapidement. Mais ça serait une bonne idée, effectivement, ouais. Il y aurait des trucs à faire comme ça dans certains jeux. Dans les Final Fantasy, c'est beaucoup utilisé, cette technique. De modifier l'inventaire pour qu'on accède aux objets les plus utilisés plus rapidement. Mais malheureusement, ce n'est pas possible dans Stalker. Par contre, il y a quand même des quenelles avec les clés. Ça, je ne l'ai pas expliqué, d'ailleurs. Ça, c'est important aussi que vous le sachiez. Dans le tout premier donjon... Pardon. Dans le tout premier donjon qu'on a traversé, en fait, on s'est servi d'un ennemi comme d'une plateforme, étant donné que, comme je vous ai expliqué, lorsque vous vous faites toucher, vous êtes invincible, et du coup, pendant ces quelques secondes d'invincibilité, vous pouvez vous servir de certains ennemis comme plateforme. Et donc, le fait de servir de ces ennemis comme plateforme nous a permis de récupérer une clé supplémentaire et de ne pas l'utiliser dans le premier donjon. Ce qui fait qu'en fait, on a une clé dans l'inventaire. En fait, on commence, si vous voulez, toutes les zones avec une clé en plus. Ce qui nous permet, en fait, d'ouvrir certaines portes en avance. Et qui va nous servir aussi dans le dernier donjon à skipper environ, je sais pas, peut-être 15 ou 20% du dernier donjon. Parce que on a une clé en plus. Donc on n'a pas besoin de faire tout le labyrinthe. Donc c'est carrément pratique. Non, c'est pas avec les au-dessus des grilles, hein, c'est quand on est monté sur un blob dans le tout premier donjon. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'aille... il faut que j'aille au labyrinthe vert, tout simplement. Ok. Ah, si vous connaissez le jeu... Vous savez que la partie qui arrive, c'est la partie du Rage Quit quand vous êtes petit. Étant donné qu'on va arriver au premier vrai gros labyrinthe bien méchant de ce jeu. Donc si vous connaissez Landstalker, eh bien je vous demande de garder votre calme, étant donné que ça va faire mal à l'enfance. Ça va faire mal à vos souvenirs d'enfance de voir ça. Et aux autres, eh bien, vous allez voir un des pires labyrinthes du jeu, atomisé en moins de 6 minutes. Donc c'est pas très gentil globalement. Je vous avoue que c'est pas très gentil. Si vous pouviez apparaître les ennemis, merci. Oh le putain de trolling. Bon, on va les respawner parce que... On va les respawner parce que ça va pas tout ça. Allez, mais fuck. Ok, putain. Mais tu as bien raison, hein, Yov. Il faut raison garder, bien évidemment. Voilà, donc tout ça, c'est indispensable parce que lorsque vous tuez ces deux magiciens, eh bien, spawn un livestock. Étant donné qu'on est censé récupérer tous les livestock du jeu. On est obligé de se taper ces deux putains de magiciens qui spawnent quand ils veulent. Donc c'est pas très sympa globalement. C'est pas très sympa. Ah Doko, attends quelques secondes, l'image devrait arriver. Donc voilà, le début du labyrinthe vert. Le début du labyrinthe vert. Alors j'ai pas vérifié à quel temps on a commencé, bon ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave.
Allez, on va faire nos sauveurs. On va sauver ce petit guinche qui est au bord de la mort. C'est immonde. Et voilà. Il va beaucoup mieux. Il s'appelle Einstein dans la version américaine et européenne d'ailleurs. Donc c'est le chien de Doc Emmett Brown de Retour vers le futur. Ah ouais ? Eh oui. Le voici en guest star, le Frankenstein. Ah bah, bonne nuit, Jeannot. Merci d'être passé. Bah ouais, pour le moment, le run se passe pas trop mal, hein. Je veux dire, on a 3 minutes 30 d'avance, ce qui est correct. Ce qui est correct, ma foi, donc... on espère que ça va continuer, mais bon, il y a tellement d'endroits où on peut se faire troller dans ce jeu que... je ne vais pas crier victoire trop tôt, hein. C'est important, raison garder tout ça. Bah je stream toutes les semaines à la même heure, donc si tu veux revoir probablement un run de Landstalker, eh bien je te donne rendez-vous à la même heure la semaine prochaine, mardi à partir de minuit. Ah fuck, j'ai loupé la plateforme. Ah c'est triste. Oh, mes sacs. Veux-tu bien sauter sur la plateforme? Bordel de merde. Ah, c'est vrai que tu as une... on dirait que tu as des super pouvoirs de détection de... de trolling. C'est un super pouvoir intéressant, ma foi. Pourquoi pas. Ok. Ça va, j'ai pas perdu de temps, étant donné que de toute façon, on peut pas monter avant la troisième, le troisième tour du machin. Ok. Donc, un dalle. Donc là, on récupère un objet, en fait, qui est une potion qui vous rend tous vos points de vie lorsque vous l'utilisez. Quand même relativement craqué, hein, il faut avouer. Mais par contre, elle peut pas vous sauver lorsque vous mourrez. Elle ne peut pas être utilisée automatiquement par la petite fée qui est avec vous. Donc du coup, il faut l'utiliser uniquement de par l'inventaire. Voilà. Mais sinon, ça vous rend l'intégralité de vos points de vie, alors que les ek-ek, vous savez, les sortes d'arbres à cerises là qu'on a récupéré dans le village de Friday, elles vous rendent la moitié de vos points de vie totaux. Alors que Dailymotion drop encore des frames à l'infini, ça fait tellement plaisir. je suis navré pour vos oreilles. Voilà, ceux qui sont sensibles aux ultrasons ou aux sons aigus viennent de décéder, donc une pensée pour eux.
Et donc voilà, on vient de terminer le Green Maze, hein, le labyrinthe vert. Donc vous avez vu, c'est quand même allé vite. Hein. C'est quand même allé super vite, sans déconner. On va récupérer ce dalle. Voilà. Oh, ce bug de merde. Le 1 de Vital, c'est peu. Il faut avouer, c'est peu. En dessous des 2 heures, vu que le run de base, il fait 3h50, mon meilleur temps, ça va être difficile de descendre en dessous des 2 heures, hein, je vous avoue. Surtout que le record du monde actuel sur la version japonaise en 80%, donc vraiment finir le jeu le plus vite possible, donc sans faire les 100%, c'est 2h20. Finir en moins de 2h le 100%, ça va être très difficile, voire totalement ubuesque. Voilà. Malheureusement. Allez, on parle au Yinch, parce qu'il faut parler au Yinch hein, dans la vie, bien évidemment. Donc ne vous inquiétez pas, tout a une explication parfaitement rationnelle. En fait, avec le sifflet que vous a donné le mec dans le labyrinthe vert, vous avez maintenant le super pouvoir de parler au Yinch. Voilà, c'est ce qui vous... Ce sifflet vous permet de parler au chien. Et donc, parler au chien dans cette ville vous permet en fait de déclencher une quête annexe. Tout simplement. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est revenu dans le premier village pour parler à ce chien, pour ensuite faire une quête annexe un peu plus loin. Voilà. Non, c'est pas la scie, étant donné que vous pouvez parler à tous les chiens du jeu, maintenant, pas juste à celui-là. En fait, il y a quasiment un chien dans chaque ville, et maintenant, vous pouvez leur parler à tous. Voilà, tout simplement. Ok, un livestock acheté. Voilà, par exemple, vous avez un chien, vous pouvez lui parler. Bon, celui-là, il sert à rien, mais vous pouvez discuter avec lui. Et avoir l'air d'un fou, donc, comme vous dites. Ok. Non mais attendez de voir la quête annexe dont je vous parle avant de traiter les programmeurs de fous. Vous aurez bientôt de quoi les appeler tous les noms d'oiseaux que vous connaissez. Ensuite, on va réparer le phare. Et d'ailleurs, ici se trouve un livestock que j'ai oublié dans mes derniers runs. Donc cette fois, on va essayer de le prendre. Allez, ouais, salut tout ça. Non, on ne peut pas tomber dans l'eau, malheureusement. Le voici. Le voici, le livestock que j'avais oublié. Et oui, le duc a cassé le phare.
Donc, on avance. On avance, on avance. Normalement, dans la zone après se trouve la quête annexe. Oui, donc, ouais, que je vous explique un petit peu pourquoi le duc, il a fait ça. Parce qu'en fait, notre but dans ce jeu, c'est de trouver les trésors du roi Nol, qui sont des trésors absolument fabuleux, qui sont cachés quelque part sur cette île. Et, le duc de Mercator, depuis sa plus tendre enfance, a envie de mettre la main sur ses trésors. Comme il a vu qu'on était bien avancé dans la quête, en fait, il a décidé de nous voler nos joyaux qui permettent d'accéder au trésor du roi Nol, de partir en bateau vers l'endroit où il se trouve, et de péter le phare pour pas qu'on puisse le suivre. Voilà. C'est pour ça qu'il a pété le phare avant de partir. Et donc, la quête annexe, où en fait on s'aperçoit que le chien qui est dans la première zone du jeu a été en fait transformé par une méchante sorcière. Et du coup, lorsque l'on va dans la maison de cette sorcière, elle nous transforme nous aussi en chien avec sa malédiction de grosse méchante pas jolie. Donc voilà pourquoi on a parlé au yinche dans le premier village. Et donc, si vous ne parlez pas au chien dans le premier village, elle se comporte comme une vieille dame tout à fait normale. C'est pour ça que je vous dis, lorsque vous parlez au chien, eh bien, ça déclenche la quête annexe. Parce que si vous allez ici sans avoir parlé au chien du premier village, eh bien, vous ne pouvez pas faire ce donjon. Voilà. Ah, c'est complètement un Milou. Oui, alors tout à fait, 15, tu as remarqué, lorsqu'on pose un pot sur une plateforme dans ce jeu, eh bien, la vitesse, enfin, la cinétique, si vous voulez, de la plateforme ne s'applique pas au pot. Donc c'est un bug, hein, c'est complètement un bug, mais les programmeurs, cette bande de bâtards, le savaient, et ont décidé de faire un endroit où on est obligé, en fait, de marcher sur ce truc-là. Comment vous dire ? Si vous voulez, les programmeurs, ils savaient que c'était un souci. Ils savaient que c'était un bug du jeu. Et ben, ils ont décidé de le coller dans une énigme, quoi. Sans déconner. Oui, troll en cours, effectivement. Voilà. Ok. C'est très relou comme énigme, mais bon. Que voulez-vous ? Donc là, tout un tas de puzzles de plateforme. De toute façon, on ne peut plus attaquer hein, lorsqu'on est en forme de chien. Donc du coup, ils nous ont collé de la plateforme à l'infini dans le donjon. Non mais c'est pour vous dire l'esprit rotor des programmeurs quoi, sans déconner. Ok, dernière énigme, enfin, dernier puzzle de plateforme. What? First try. Donc, c'était la dernière énigme. Maintenant, on peut aller tout au fond de ce donjon. Et qui voilà? Oh mon dieu! Mais comment allons-nous nous sortir de cette impasse? Et malheureusement, elle s'est trompée de mouton. Ah là là, fluxion du poumon.
Mon meilleur temps sur ce jeu, ça doit être 3 minutes, ça doit être 3h35, je crois, en 100%. Un truc comme ça. Je me suis fait troller à l'infini sur ça, sur mon speedrun, c'est pour ça que là, il est à 3h50. J'ai déjà tapé 3h35. Yay! Ouais, parce que si vous appuyez sur l'autre bouton d'ailleurs, au passage, le boulet tombe vraiment sur notre gueule. Donc, effectivement, ouais, si elle s'était pas trompée de bouton, game over. Game over, man! Game over! Ah, ceux qui reconnaîtront cette référence ultra cachée auront mon estime. Les autres, eh bien, je vous invite à regarder Alien 2 par James Cameron. Game over, man, game over! Donc là, faut pas que j'oublie ici. Se trouve un objet spécial. Voilà, la cloche. Ok. 600 pièces d'or, non même pas, 750, ça fait mal au cul. Ah, ça fait mal au fondement hein, d'acheter les objets dans ce jeu. Ok. Et voilà, on est parti pour la deuxième partie du jeu. Waouh. Et on a une musique qui déboîte. Je kiffe cette musique. J'ai un orgasme en ce moment même. Ah, regardez ce livestock comme il est bien caché. Il était là. Hey, vous le saviez, hein, bien évidemment, caché derrière la perspective de la maison. C'est-il pas dégueulasse, sans déconner ? Parce que activer les arbres fait partie des objectifs du speedrun. Activer les 10 arbres de téléportation du jeu. D'ailleurs, on va s'en servir de deux paires d'arbres dans le run, donc il faut que je les active. Fuck. Fuck. Ok. On va prendre un cake. Non, c'est bon. Il est passé relativement bien. 2 essais pour cette salle, c'est dans la moyenne, on va dire. Ah, par contre, celle-là est très bien passée. J'ai même pas eu besoin de tuer les ennemis. J'ai quasiment refait le temps que j'ai perdu dans la salle d'avant, en fait. Wow, on se calme.
Monter sur la plateforme, c'est pas mal. Oh, sympa de te barrer de mon chemin. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Je savais que j'aurais pas dû le faire. Mais bon, je voulais le tenter. Je voulais le tenter parce qu'il y a des distances où ça marche, des distances où ça marche pas. C'est un peu la merde. C'est un peu la merde, je vous avoue. Hop, des 7, je te prie. Merci. Je le retente, je suis un dingo. Ok, là on est bien. Nous disions donc. Ah, vous allez pouvoir apprécier la magnifique physique des pots dans ce jeu. Donc je vous invite à empiler vos pots comme ceci dans votre maison. Ça marche, vous l'avez vu sur Landstalker. Ok. Pas grave, on fera sans la thune. De toute façon, on y revient. Ok, parfait. Très bien. Mais cassez-vous, monsieur! Ok. Bah, la physique des caisses, c'est la même, hein. Le gank! Le gank à la sortie du TP, j'ai pris. Ah, un boss. Ah, il m'a quand même touché une fois. Il n'est pas très sympa. Ok, un et quelqu'un. On va prendre un autre. Le voici. Ok. Combien de coups pour le tuer? Très franchement, j'en ai aucune idée. Ouais, 6 ou 7, un truc comme ça. Mais il y avait un coup enflammé qui compte double en plus.
Ok. Dame Ned. Alors là, on se barre. Hein. On se barre. Trop d'ennemis. Trop d'ennemis dans cette salle. Voilà, un petit livestock. Normalement, on est censé récupérer tout à la fin du jeu, étant un moment où on a des bottes qui nous permettent de marcher dans la lave. Mais bon, vous m'avez compris. Hein. Vous m'avez compris. Ouais, je marche sur la lave, mais j'ai perdu quasiment une barre de vie. Alors, je vous demande de vous calmer aussi un petit peu, hein. Ok, donc on va revenir sur nos pas, étant donné qu'on a deux objets à récupérer dans le deuxième tunnel qu'on a visité. Tu sais que tu commences à devenir un petit peu lourd en fait, Arcadius, sans vouloir trop en rajouter. Au début c'était marrant, mais là ça commence vraiment à devenir un peu chiant en fait, que tu commentes tout ce qui se passe. En toute amitié bien sûr, hein. Des bisous. Allez, maintenant qu'on a libéré le troisième tunnel, ce tunnel-ci est ouvert. Alors, niveau histoire, le duc, en fait, avait réduit la population de cette ville en esclavage, étant donné qu'il savait qu'il y avait un des joyaux qui était caché dans cette mine. C'est pour ça, en fait, quand vous arrivez dans la ville que j'ai pas visitée, il y a des gardes partout, etc. Et tous les habitants sont dans les différents tunnels de cette mine à creuser pour trouver le dernier cristal. Enfin, non, pas le dernier cristal, le troisième cristal. Donc voilà, en terminant ce donjon, en fait, on libère tous les habitants de la ville. Donc ici, deux livestock hein, quand même dans cette zone. Et on est obligé de sortir par le haut parce que sinon on peut pas accéder au livestock qui se trouve tout en haut. Et donc pour nous remercier de les avoir sortis de leur merde, ils nous offrent la deuxième épée du jeu. Alors dans ce run, on va finir avec 84 points de vie, donc 80 livestock qu'on va récupérer. Sachant qu'après, tu peux en acheter une infinité à un marchand.
Voilà. Mais techniquement, il y a moyen de monter à 160 et des bananes livestock, mais bon, ce qui n'a absolument aucun intérêt. Hein. De toute façon, quand t'arrives genre à 95 livestock, tu one-shot déjà tout ce qui se passe, donc même les boss de fin, donc globalement, t'as pas besoin de monter aussi haut, quoi. Ok. Le split c'est bien aussi. Bref. Ah, ce petit bruit que vous entendez parfois maintenant à l'entrée de certaines salles. Ça vient de l'objet que j'ai acheté dans Mercator, la cloche, qui en fait, ça fait un petit ding chaque fois que vous avez un livestock dans la salle, qui est trouvable. Oui, il y a un game over, un vrai. Bah si tu crèves, si t'arrives à 0 point de vie et que t'as plus de ek-ek, donc d'objets pour te ressusciter, tu meurs, t'as game over. Et en fait, t'as un petit écran de game over, c'est tout. C'est uniquement ça. Non mais globalement, une fois que t'as 15 ek, que t'as 10 ek ek, hein, bon là il m'en reste que 4, hein, mais globalement l'effet est le même si tu veux, mais c'est pas vraiment un gros souci quoi. Le risque de game over est ultra faible dans ce jeu parce que t'as tellement le temps de voir venir que tu vas crever quoi. Si tu veux, en comptant les ek ek qui me restent dans l'inventaire. J'ai 100 et quelques points de vie là, si tu veux, en termes de quantité que je peux me soigner, etc. Donc, très franchement, le risque de game over, il est vraiment, vraiment très lointain, quoi. On va quand même acheter un Ekek dans le prochain. Chez le prochain marchand, le voici. Hop. En plus, on va lui piquer son livestock qui est ici. Non, là, il n'y a pas moyen d'exploiter des game over. Si t'es game over, tu retournes à l'écran titre et c'est mort. Voilà, c'est fini, le run il est terminé. Ou alors tu reprends une sauvegarde. Donc là, c'est la sauvegarde quand je faisais mes petits lancers de boulets à Mercator. Donc je vous avoue que globalement, non, c'est pas une bonne idée de mourir là tout de suite. Hein. C'est pas une bonne idée du tout, du tout. Alors, faut pas que j'oublie cet arbre-là. Il est très important. Ok. Ah, mais regardez-moi ça, le duc. Quelle classe, avec son trône sur le radeau. C'est tellement la classe. Tellement intestable, le duc. Allez, on va escalader la petite montagne qui se trouve ici. Ouais, je sais pas trop à qui était destiné ce jeu, mais
Effectivement, il est pas si facile que ça, hein, quand même. Il est pas si facile que ça. Bon, après, il était faisable, hein, quand même, hein, parce que il était vendu avec une soluce, hein, si t'achetais la boîte, hein, en tout cas une aide. Il y avait la soluce qui était rééditée de façon régulière dans tout ce qui est les méga forces ou les bouquins spécialisés, donc ça va, enfin moi je sais que j'avais des soluces de Landstalker quand j'étais petit, donc ça se faisait, hein, quand même. Il y a vraiment une énigme qui est méchante, que moi je trouve vraiment pas sympathique, qu'on va voir d'ailleurs dans le prochain, après ce donjon là. Mais globalement, le jeu, bon, il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible, clairement. Mais c'est vrai que ça faisait travailler les méninges un petit peu, hein, par rapport à d'autres jeux Mega Drive qui étaient beaucoup plus plan-plan. Celui-là, il faisait pas semblant parfois. Ah, arrive la petite salle du Pixel Perfect. Alors, allez savoir pourquoi les programmeurs ont eu cette grande idée de faire une salle Pixel Perfect dans un jeu en 3D isométrique. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Ok. Nickel. Fuck! J'ai loupé la plateforme. Bon, bref. J'espère que ça n'est pas de mauvais augure, hein, en ce qui concerne le reste de ce donjon, étant donné qu'il est quand même relativement compliqué niveau platforming. Ok. Ici, un autre livestock. Non. Ok, bon. Jusque là, ça va pas trop mal. Là, je peux me faire troller à l'infini par cette petite boule là que vous voyez en bas. Donc je préfère prendre des dégâts et assurer le coup plutôt que de me faire pousser en contrebas, ce qui me ferait retomber au tout début du niveau. Donc je vous avoue que ce serait bien la merde si ça arrivait. Oh putain, j'ai tellement peur. J'ai tellement peur. Ok. Ok, parfait. Putain, le clutch. Hein. Le clutch, les amis. Capacité à jouer sous pression. Vraiment des livestock partout dans ce niveau, toutes les deux salles il y a un livestock, ça fait quand même plaisir. Ok. Mais des 7. Ah, quoique, il y a peut-être moyen de passer. Ouais, il y a moyen de passer au-dessus de la grille. Ça, c'est un glitch qui va beaucoup être utilisé dans le prochain donjon. Si vous avez une grille, en fait, elle ne couvre que les deux cases où elle se trouve, plus la case au-dessus. Si vous arrivez à avoir deux hauteurs de plus que la grille, vous pouvez sauter au-dessus de la grille. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, sérieux.
Oh, fuck. Très bien, donc, alors, ce niveau vous fait récupérer 4 clés, parce que, en fait, les 4 prochaines zones que l'on va traverser sont des zones où il nécessite une clé pour avancer. Donc, en fait, vous êtes obligé de faire toutes les quêtes précédentes pour pouvoir ouvrir ces 4 portes, sinon, c'est impossible, vous ne pouvez pas passer. Une petite énigme de merde. Faire une plateforme pour les ennemis pour qu'ils sautent dessus, pour qu'ils vous suivent, pour qu'ils appuient sur le bouton eux-mêmes, ce qui vous permet ensuite de sauter sur la plateforme au moment même où ils appuient sur le bouton, ce qui vous permet ensuite de passer. Quand même. Quand même, les gars. Un life stack. Donc l'avant-dernière clé. Et tu dois deviner ça, effectivement. Oui, c'était un boss. C'était un boss qui était un boss, a fortiori. Tout à fait. Pourquoi j'ai que 59 points de vie? Je suis censé en avoir 61 là. Enfin non, je suis censé en avoir 60 justement. Bizarre. Très bizarre ça. Parce que si j'en ai oublié un, je vois pas lequel c'est. Bon bah ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je louperai un livestock mais la route est bonne. Donc non, c'est juste que j'ai oublié d'ouvrir un coffre entre temps, mais je vois pas où il est, c'est très bizarre. Très très bizarre. Ah non, je sais. C'est parce que j'ai pas acheté celui que j'achète normalement au marchand de Destel. Non, ça va. On est bien. On est bien en fait, on est au nombre normal de livestock, ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sens que ça s'alarmait sur le chat, mais en fait, non. En fait, non, pas besoin de vous alarmer. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, ça y est, je me rappelle. Ouais, non, moi aussi, je me suis fait peur. Mais en fait, non, c'est bon. On est bien. C'est parce que normalement, j'achète un objet dans la précédente ville. Statue de Gaïa, statue de Gaïa. Voilà, cette énigme-là, c'est la pire. Vous êtes censé utiliser une statue de Gaïa qui fait tomber des rochers dans cette salle, ce qui vous permet en fait de faire un pont de lave refroidi pour passer dans cette zone. Tout va bien. Tout va bien. Allez, le Lake Shrine. Venez ici. Alors non, c'est pas... En fait, là, j'ai changé ma route, en fait. Et normalement, je passe 5 minutes à farmer des monstres. Avant, je l'ai fait sauter, cette partie. Donc on farmera, mais un petit peu plus tard. Donc les 12 minutes qui sont là, c'est du temps virtuel gagné, si vous voulez.
c'est pas du vrai temps gagné parce qu'il manque des trucs qu'on a pas fait encore et qui étaient faits dans la précédente version du temps, vous voyez. Donc on va perdre du temps à certains autres moments. Le temps qu'on a gagné ici, on va le reperdre un peu plus tard. Enfin, on va en perdre moins. C'est-à-dire que la nouvelle façon de jouer... Si vous voulez, là, on a gagné environ 5 minutes. Mais la nouvelle façon de jouer, on va perdre 3 minutes, genre, à un moment. Un truc comme ça. C'est le principe, en fait. Donc, on va perdre du temps, mais pas autant que ce qu'on a gagné ici, voilà. Non, j'ai pas très faim la nuit, moi. J'ai plutôt soif, mais faim, non, pas vraiment. C'est pas trop mon truc. Ok. D'ailleurs, si je pouvais... Non. Mettre mes bottes de soin, ce serait pas mal. Allez, une clef. Allez, une salle bien chiante. Bah, l'histoire... l'histoire, j'ai déjà dit avant, hein, il y a des trésors, le duc est devant nous pour les trouver, et puis on lui court après. Voilà. En gros, c'est ça, et le duc est déjà rentré dans le sanctuaire du lac. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Fuck. Ce double saut de Just Frame à faire quoi, putain. C'est tellement l'enfer. Ok, des hackecs. Ensuite, dans cette salle, tuer les orques. Putain, forcément, fallait qu'ils me renvoient dans l'autre salle, quoi. Prends ça, saleté de statue. Donc là, tomber deux cases sous les escaliers. Voilà. Ici, Ghost Skip. Voilà, parfait. Très bien. Ici à gauche. Le Platform Skip. Donc là, on va sauter au-dessus de toutes les grilles qu'on peut, on va sauter. Hein, ne vous inquiétez pas. Ça va être très sale. Non, il est plus facile par le bas. Hein. 15, j'ai déjà essayé. J'ai déjà testé les deux, il est largement plus facile par le bas. Ok. Une clé. Donc là, normalement, on va décéder, mais c'est normal. Voilà. On n'a pas décédé, c'est encore mieux. Ah, la salle du troll.
Là, vous pouvez le dire, elle est garantie, celle-là. Elle est 100% pure troll. Elle est 100% pure troll, pur jus. Ok, donc toi, viens ici, comme ça. Donc toi, tu viens là. Allez, approche. Nickel. Ensuite, puzzle southeast, shell west. Ok. Ici. Ah putain. Il faut que j'aille vers le haut. Voilà. Donc une cinématique que l'on voit dans l'autre sens. On est censé être de l'autre côté. Parce qu'avec toutes les portes qu'on a passées, au final, on n'est pas arrivé dans le bon sens. Bonne nuit, Lokaran. Donc, southwest. Southwest. Récupérer la clé, récupérer l'ice sword. Ok. Ouais, je vois à peu près où j'en suis. Je vois où j'en suis. Voilà. Ça, c'est une... Ça, c'est un livestock. Non, c'est une clé, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Ok. Ok, 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 ok. Allez, le passage du ramage. Ouh. Ce petit passage de plateforme stylé. Ok, on se jette. Et l'épée de glace. Ok. Nickel. Ensuite, on revient au début du donjon. Par ici. Ensuite, à droite. Tuer les squelettes. Non, les hommes lézards, pardon. Et retour au début du donjon. Et donc, on refait tout ça. Enfin, toute la partie droite, en tout cas. On va se refaire suivre par ces saloperies de statues à la con. Putain, mais... Mais quel idiot! L'idiot du village, quoi! Pourquoi est-ce qu'il a pris cette putain de porte, quoi? Mais quel sac! Voilà. Voilà. 30 secondes aux chiottes. Tout va bien. Tout va bien, ça fait plaisir. J'aime ça. Les jeux trouvent toujours des nouveaux moyens de vous troller, c'est magnifique. Donc cette fois, le skip. Non mais je suis déjà en pourparler avec la mafia Nesblog, hein. J'ai même expertisé un run de Landstalker pour eux. Étant donné qu'ils étaient pas certains de sa légitimité, ils m'ont demandé d'étudier le run en détail, hein, pour savoir s'il était valable. Donc oui, la mafia Nesblog, hein, bien évidemment. C'est la base. Oh putain. Fuck.
Bon, ça va. C'est pas un gros gros... Hein... C'est pas du gros gros temps perdu, étant donné qu'on revient uniquement ici, donc ça va. Mais effectivement, j'ai trop avancé. C'est ma faute. Enfin oui, évidemment que c'est ma faute, hein, je veux dire. C'est pas... Ok. Ah non, mais ce donjon, c'est le plus difficile à router. Hein. À faire une route, hein. C'est celui qui nous a demandé le plus de boulot avec Manitou. J'ai dû écrire la 100%, la route 100% qui est différente infiniment de la route normale. Enfin, c'est la merde. C'est la merde. Ouais, c'est le pouvoir spécial de l'épée de glace. Quand elle a la barre en haut remplie à son maximum, tu balances une attaque élémentaire en fait. C'est pareil avec les autres épées. Et donc, vu que c'est une épée de glace, elle balance une tornade qui gèle les ennemis. Voilà, c'est son pouvoir spécial à elle. Sachant que le pouvoir de l'épée d'après, l'épée de terre, est encore plus craqué. Mais malheureusement, on ne va pas l'utiliser. Le pouvoir de l'épée de la terre. Enfin si, on va l'utiliser pour farmer en fait. Je dis de la merde. Donc si, on va le voir. Ah, fuck. Ouais, bah c'est l'épée dont je vais me servir jusqu'à la fin quasiment. À part à un endroit où il faut se servir de la... D'une autre épée, ouais, c'est celle qu'on va garder jusqu'à la fin. Non, ouais, j'ai perdu énormément de temps, hein. Je suis déjà en retard par rapport à mon meilleur temps. J'ai fait énormément de petites erreurs dans ce donjon, ce qui m'a coûté beaucoup de temps. Ouais. Donc, run améliorable, hein, bien évidemment. Comme toujours. Speedrun améliorable. Ok. Oui, cette fois je l'ai pas raté. Putain. Bon bah 1 minute 45 dans l'os. Waouh, ça fait mal. Ça fait mal, il faut avouer. Heureux, Susanoo. Hop, 69 points de vie, c'est ce qu'on est censé avoir à cet endroit-là, c'est parfait. C'est parfait. Du drama sur Twitter? Oh mon dieu. Tant de drama avec la bande AMV, dis donc. Oui, certes. Aelten a quitté le liveplay. Je confirme. Je confirme. Data Reaper, hein, va probablement suivre sa trace, hein, d'ailleurs.
Ce serait logique. Oh, tu sais, la bande à canon, hein, ce n'est qu'un corollaire de la bande AMV, hein, malheureusement. On en répondra toujours à Monsieur Meveu, hein, ça c'est clair. Ouais, mais c'est son stream anniversaire hein, pour ses 1 million de views. Il le mérite, hein, sans déconner. Il le mérite, ses viewers MV. Allons, allons. Non, mais Angeloum, n'essaie pas de comprendre à tout ça. C'est de la private joke. D'ailleurs, suffisamment de private joke, hein, s'il vous plaît. Il faut que ce stream reste compréhensible pour nos camarades de Millennium, hein. C'est important. C'est important. Bunk, putain. C'est Landstalker sur Mega Drive. Donc là, encore une quête annexe. Encore un donjon annexe pour récupérer une pièce d'équipement qui nous sera parfaitement inutile. Mais bon, il faut le faire. C'est écrit dans le 100%. Ah là là, ce donjon de l'ennui, où il faut remonter 3 fois le truc pour appuyer sur les putains de boutons, quoi. Là, je vous avoue que ce donjon est parfaitement inintéressant. Et on se rejette. Ok, et le donjon est terminé. Ah non, c'est vrai, il faut d'abord tuer ces saloperies. Oh, allons, allons, s'il vous plaît. Ouais, ça c'était un dalle. Ok, Lava Boots. Oh mon dieu, j'ai gagné une seconde. Et maintenant, il faut encore une fois remonter. Trop bien. Voilà, donc normalement, vous êtes censé récupérer les bottes de lave ici qui vous rendent immunisé aux dégâts de feu. Bon. Je vous avoue que entre faire ça et se retaper l'intégralité de la mine de Verla ou alors de sauter dans la lave avec nos bottes de base, hein, je vous avoue que le choix est très vite fait. Ah, un petit troll par le garde, c'est la base. Ok. Direction la zone montagneuse. Salut, 15, à plus.
Donc là, il me faut de la thune à l'infini, donc on va essayer de tuer un petit peu des ennemis hein, quand même. De toute façon, maintenant je one-shot tout ce qui se passe, donc c'est quand même bien pratique. Il me faut en tout 1500 pièces d'or pour pouvoir acheter les deux objets que j'ai prévus. Donc 700 pièces d'or, ça va être difficile, hein, je vous avoue. Mais bon, on va voir. On va voir si on y arrive. Quelle heure est-il ? 2h36, ok. Ok. Allez, on va essayer de tuer tout ce qui se passe pour se faire bien de la thune avant d'arriver à l'endroit critique où on devra acheter des objets. Alors là, il y a un livestock encore caché derrière le décor, hein, c'est la base. Ok, encore 600 pièces d'or. Donc ici normalement le dalle on l'a déjà. Ouais. Ok, donc là il y a énormément d'ennemis dans cette zone. Ok, ça, ça fait de la thune. Ça, c'est bon. Ici, je crois que c'est une statue d'or. Une statue d'or qui vous permette de... d'avoir de la magie infinie et d'avoir votre jauge de magie qui reste au maximum pendant un certain temps. Ce qui est hachement pratique, hein, je vous avoue. Ah, un petit boss du charisme. Un petit boss du charisme. Allez, on va rencontrer Zach, qui est le draconian, espèce d'homme dragon là qui vient de nous parler. Ça va, on s'en est pas trop mal tiré. Voilà, et donc on va farmer la thune qui nous manque dans cette zone ici. Voilà, on va faire des allers-retours. Et tuer les ennemis qui se trouvent dans cette zone. Ce qui est, je pense, un peu plus rapide que de farmer les autres ennemis que je farmais auparavant. Et donc là, comme je vous l'ai dit, il me faut 1500 pièces d'or, pile, pour pouvoir acheter deux objets. Voilà.
Ok, encore 300 pièces d'or. Allez, moins de 200. Donc la raison pour laquelle je fais tout ça, c'est que je dois acheter deux livestock à deux marchands différents et qu'il y en a un qui coûte 600 pièces d'or et l'autre coûte 900. Du coup, je suis obligé d'avoir 1500 pièces d'or pour la partie qui arrive parce que sinon, ça m'éloigne trop en fait de ces marchands et je perdrai du temps à revenir ici plus tard. Donc je préfère farmer à cet endroit. Bonne nuit, Arcadius, merci. Allez, 1490. Ok, on est bien. Donc, ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est monter ici. Faire attention aux ennemis qui sont dans la prochaine zone. On va juste reprendre quelques points de vie ici. Parce qu'il y a un endroit qui nous soigne à 100%. Voilà. Et on va aller acheter ces putains d'objets. Il y en a un ici, à 900 pièces d'or. Et l'autre un peu plus loin. Et en plus, on va devoir activer le dernier arbre de téléportation qui se trouve ici. Et voilà. Qui nous ramène à Destel, le village des nains. Et c'est ici que l'on trouve le livestock à 600 pièces d'or. Et on en aura terminé. Avec les livestock, on les aura tous achetés. Et voilà. Maintenant, on peut reprendre le cours du speedrun normal. Donc ces arbres de téléportation, je vous ai pas expliqué comment ils marchaient. En fait, quand j'ai fait la quête du gros arbre... juste avant Mercator, en fait, en sauvant cet arbre, il nous a donné la capacité spéciale de pouvoir utiliser ses fils, comme il appelle, qui sont en fait différents arbres qui sont reliés deux par deux dans le monde de Landstalker. Et lorsque vous êtes entré dans chacun de ces deux arbres, eh bien, vous pouvez vous téléporter de l'un à l'autre, tout simplement. Ce qui nous permet du coup
de se balader très rapidement entre des zones pourtant très éloignées les unes des autres. Non, c'est en bas qu'il faut aller. Petit passage de plateforme de l'enfer. Okay. Bah oui, il y a Susanoo depuis le temps. Tu vas commencer à le connaître par cœur. Ok, donc là, ne pas se planter. On va devoir faire un petit saut du skill. Dans la zone juste après. Ici. Là. Ok. Ça s'est pas mal passé. On a réussi le saut. Et donc maintenant on va se balader dans toutes ces saletés de grottes. Donc là il n'y a rien dans cette salle. Là par contre il y a un livestock. Non, c'est un dalle. Le livestock est juste après. Le livestock est là. Voilà. Donc là, obligatoire. Il faut se faire toucher pour ressortir. C'est normal. Donc ici, on passe derrière le décor pour récupérer encore un nouveau livestock, évidemment. Voici. On descend. Récupérer un objet qui ne nous sert à rien, mais qui est dans le 100%, comme d'habitude. Ok. Et on en a terminé pour cette zone, enfin. Probablement une des zones qui nous prend le plus de temps du jeu. Ah merde, qu'est-ce qu'il diffusait le Vulvamax ? Non mais maintenant il rentre dans le club très formé des Alabamamaniens. Les gens qui se font ban leur Twitch. C'est trop la classe. Oh, super le troll. Super le troll, quoi. Bordel, celui-là, il était beau. Celui-là, il était magnifique de troll. Sans déconner, 20 sur 20, quoi. 20 sur 20, ce troll. Le blast processing à genoux.
Et allez, une pause où il faut juste mâcher le bouton. Donc voilà, encore une fois, le duc de Mercator est devant nous. Bla 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 bla. Ok, bon, allez, c'était super, machin, tout ça. On s'en fout, je voudrais bien jouer, merci. Ah, cette petite musique de l'angoisse. Non, mais si tu veux aller dormir, je posterai sur mon Twitter combien de temps j'ai gagné. Sinon, les VOD seront postés sur mon YouTube, hein, ne t'inquiète pas. Donc allez, c'est parti pour le dernier donjon. Enfin, l'avant-dernier techniquement, mais bon, les deux donjons sont liés en fait. Ben Nia, je suis content de le savoir. C'est très bien, il faut aimer Landstalker. C'est un bon jeu. Je m'excuse, je discute pas beaucoup, mais il faut que je me concentre un tout petit peu sur ce que je fais. Étant donné que là, si je me plante, c'est pas mal de temps de perdu. Donc voilà, là c'est pas mal. Donc en fait, la raison pour laquelle on est allé dans cette zone-là, c'est parce que se trouve un objet unique, hein, qui est une lanterne en fait, qui va nous permettre de remettre la lumière dans les zones où il fait tout noir. Mais bon, on va pas l'utiliser parce que de toute façon... Il y a moyen de voir ce qui se passe sur l'écran, donc et en plus vu que je le connais relativement bien ce jeu, on va dire, hein, entre guillemets, j'ai pas forcément besoin d'allumer les zones qui sont normalement assombries.
Allez, petit passage du skill. Ok, bon, ça s'est pas trop mal passé. Hein. Donc voilà, la route est très précise hein, dans ce donjon-là. Le donjon est vraiment immense, hein. Il fait plus de 25% de la totalité des salles présentes dans ce jeu sont dans ce donjon. C'est pour vous dire l'immensité du truc. Et il n'y a qu'un seul chemin optimisé. Hein. Là, pour le coup, il est vraiment sans pitié, ce donjon-là. Il est vraiment sans pitié. Descendre deux livestock à récupérer dans cette salle. Un ici. Alors voilà. Et un autre par là avec évidemment des trucs invisibles parce que sinon ce ne serait pas drôle. Allez, avance. Voilà, le petit téléporteur invisible. Voilà. Encore un livestock. Et maintenant, on peut reprendre le cours quasiment normal du donjon. Vu que tous les autres livestock sont des livestock que je prends d'habitude. Un, deux, trois, quatre, c'est bon. C'est bon. Normalement, on va finir avec 84 points de vie, comme ce qui est prévu. J'y arriverai pas. Bon, je vous sens fatigué sur le chat. Je vous sens fatigué. On approche de la fin, ne vous en faites pas. Ah bah le roi Nol, tu peux attendre le boss d'après qui prend 5 secondes et comme ça tu verras le temps final. Le roi Nol, il est tout à la fin du jeu. Hein. Ah mais si, je confirme, vous êtes fatigué. J'en viens à douter que vous soyez passionné par mon speedrun. Donc j'en déduis que vous êtes fatigué. Voilà, c'est tout. Non, c'est un peu trop loin. Ok, livestock.
Ah, la réunion. Le 974, hein, bien évidemment, représente... représente... des bugs de couleur. Oui, ça doit venir de la compression qui est relativement faible. Il y a aussi le fait que Dailymotion coupe la connexion toutes les 30 secondes. Je perds une seconde de stream, donc c'est là, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Ça doit probablement venir de là. Allez, on va d'abord faire cette quête de merde avant d'aller récupérer la clé. Mais après, vous aurez pas ce souci sur la vidéo, hein, sur la vidéo YouTube, hein, normalement. La vidéo YouTube enregistre ce qui se passe directement sur mon ordi, donc logiquement... Mais oui, mais de toute façon, si ça le faisait pas sur le précédent stream, ça m'étonnerait que ça vienne de chez moi, du coup, parce que j'ai rien changé à mon setup. Je stream avec exactement les mêmes caractéristiques qu'avant, donc... supporter ses ennemis, quoi. Franchement, vous pouvez pas savoir. Putain, mais vous avez vu ces connards de merde qui sont au-dessus du putain de bouton, sans déconner. Putain, mais je suis dégoûté, quoi. Les trois ennemis ont sauté au-dessus du bouton, quoi. Allez, c'est bon, c'est une blague, maintenant, c'est une blague, bordel. Putain, c'est pas possible de perdre du temps là-dessus, quoi. C'est pas possible de perdre du temps sur ce truc de merde, quoi. Putain, j'arrive pas à croire que j'ai un... que j'ai perdu une minute à faire appuyer sur ce putain de bouton par les ennemis, quoi. C'est incompréhensible, quoi. Incompréhensible que ça ait pas marché. Quoi? Mais quel putain de rapport, Susanoo? N'importe quoi, sérieux. Ouais, je pense. Je pense qu'il faudrait que t'arrêtes de parler, en fait. Tout simplement. Parce que là, tu commences à raconter des inepties. Alors déjà, qu'il faut que j'essaye de me concentrer un tout petit peu pour éviter de faire de la merde. Si je peux m'éviter de lire en plus des trucs qui n'ont aucun sens. Ça pourrait aussi m'aider. Merci d'avance. Thank you.
Oui, mais oui. Je commence à connaître le personnage, hein, bien évidemment. Ok. Putain, j'y crois pas que j'ai gagné que 2 minutes avec tous les trucs que j'ai rajoutés dans le run, quoi. C'est atroce. Atroce. Ouais, bah en 100%, c'est juste pas le même boss, hein, tout simplement. C'est tellement plus le même boss. Wait. Voilà, c'est ça. Ok. Allez, la salle du donjon du saut infini. Putain, j'ai réussi à le faire en 2 fois, quoi. Classe, il faut que je le travaille, du coup, s'il y a moyen de le faire en 2 fois. Et ça aussi, il y a moyen de le faire en 2 fois, d'accord. Ok, cool. Non, mais je te dis, ils sont fatigués, hein, Susanoo. Ils sont visiblement fatigués. Non. Ça. Hype. Ok, on approche de la fin de ce donjon. Ah, fuck. Vous pouvez lancer du bon côté, serait pas mal aussi. Bah ouais, hein, 37 viewers à cette heure-ci et 3h du mat dépassées. Merci à tous. Hein. Merci à tous. Je ne saurais trop vous conseiller de vous abonner à ma chaîne Twitch si vous aimez ce que je fais. Parce que je vous avoue que l'avenir de la chaîne LivePlay est des plus sombres. Donc, vu que je ne sais pas trop ce qui va se passer, etc., je vous conseille de vous abonner à mon Twitch si ce n'est pas déjà fait. Vous avez l'adresse en bas à droite du stream. Parce que pour le moment, je vais continuer à streamer tant qu'il y aura la chaîne ouverte. Mais bon, il se passe pas mal de trucs en ce moment, donc je peux pas vous garantir que la semaine prochaine à la même heure,
je serai de retour. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à mon Twitch. Pour voir d'autres runs de ce jeu et bien d'autres choses. Attendez que je fais pas mal de choses, que j'ai déjà fait, surtout pas mal de choses sur mon Twitch déjà. Voilà, c'est le petit instant auto-promo. Oui, le stream de Diablo aura lieu. Ah, fuck. Putain, mais c'est pas vrai. Le nombre de trolls que j'ai pris dans cette partie, hein, sur la fin. Ça avait si bien commencé, pourtant. Ça avait si bien commencé, mais je me fais tellement troller dans ce donjon. Indécent, quoi. Indécent. Je crois que jamais j'ai loupé ça, pourtant. D'ailleurs, le prochain épisode du Let's Play de Diablo, donc jeudi soir à minuit, il va être compliqué. Parce que là, j'arrive à un endroit où normalement, je suis pas censé pouvoir passer tout seul. Donc, on va voir. On va voir ce qui va se passer. Mais je vous avoue que c'est un peu la merde. On verra bien au moment ce qui va se passer. Mais je suis assez pessimiste, hein, sur l'épisode de jeudi. Et la dernière clé du jeu que nous venons de récupérer, quand même. Quand même. Allez, c'est parti pour la dernière ligne droite. Contrôler, hein. Non mais normalement ça va encore ça doit encore continuer, mais pour le moment je ne saurais trop vous conseiller de garder un œil sur les réseaux sociaux, parce que il est possible que pas mal de choses changent dans les prochains jours. GG. Putain, je suis vraiment décalqué, quoi, parce que d'habitude jamais je le loupe, ça. Jamais je le loupe. Voilà. En plus, je me fais troll à l'infini par le truc qui reste. Non, là, je suis vraiment claqué. Pff. Bon, allez. On va essayer de terminer le jeu. Un speedrun de soleil. Quoi ? Si un speedrun de soleil, c'est probablement pas par moi, étant donné que j'aime pas du tout ce jeu, donc. Mais il y a déjà des speedruns de soleil. Hein.
Ouais, il y a trop de petits trucs que j'aime pas dans ce soleil, malheureusement. Notamment le contrôle du perso qui est complètement approximatif, malheureusement. Enfin non, c'est pas qu'il est approximatif, mais il est un... Il a des petits problèmes, il y a trop d'animation, si vous voulez. Il met trop de temps à faire des actions normalement trop simples, donc... Ok. Ouais, bah ça m'étonne pas que tu tournes en rond dans le soleil, étant donné que le storytelling et le fait même de savoir où tu vas et pourquoi tu le fais n'existe quasiment pas en fait dans ce jeu. C'est triste à dire, mais l'histoire elle est tellement mal racontée pendant la première partie du jeu. À partir du moment où t'arrives au paradis, etc., ça va mieux. Parce que là, tu commences à avoir un but précis, etc. Mais sinon, le début du jeu, il est apocalyptique, quoi. Tu sais pas où il faut aller, tu sais pas pourquoi il faut y aller. C'est vraiment mal fait, quoi. C'est vraiment dommage, quoi. Allez, farming time. Quand même, Soleil, c'est un jeu où on parle à Dieu. Et ça, quand même, c'est quelque chose qu'on n'a pas tous les jours dans les jeux vidéo, je vous avoue. Donc, juste pour ça, kudos à Soleil, hein, il faut avouer. Parce qu'un jeu où on tape la discute avec Dieu le Père, c'est pas souvent, hein, je vous avoue. Et donc ouais, à partir du moment où on a parlé à Dieu, qu'on est renvoyé sur Terre, etc., là ça devient intéressant parce qu'on a le pouvoir de voyager dans le temps et de découvrir le background du jeu, etc., pourquoi il se passe ce qui se passe, pourquoi on est le champion choisi, machin. Et là ça devient intéressant, mais franchement toute la première partie du jeu, mais elle est dégueulasse quoi. En termes de storytelling, elle est dégueulasse. Il y a aussi le fait que contrôler le perso pour le faire, par exemple, ne serait-ce que se retourner sur lui-même, ça met une animation qui prend 3 plombes. Et je supporte pas. Je ne supporte pas le contrôle du personnage dans ce soleil. Pourtant, je veux dire, c'est une vue de dessus, hein. Comment on peut foirer une vue de dessus? Eh bah si. Ils ont réussi dans ce soleil. GG. Franchement, c'est comme un achievement de mauvaise programmation, vous voyez. Je sais pas comment ils se sont débrouillés. Mais si vous voulez, si vous ne connaissez pas le principe de Soleil, c'est que lorsque vous allez de gauche à droite, que vous faites un 180 sur vous-même, eh bien, le personnage va faire toutes les animations intermédiaires. C'est-à-dire qu'il va faire un arc de cercle vers le haut ou vers le bas, parce que des fois, il a envie vers le bas aussi. Et si vous avez le malheur d'appuyer, par exemple, sur le bouton d'attaque au moment où vous êtes en train de vous retourner, eh bien, il va attaquer dans la direction où il fait face au moment où vous appuyez sur le bouton. Et s'il a pas fini sa putain d'animation où je me retourne sur moi-même, eh bien, du coup, il va attaquer à un endroit, il va attaquer en haut à droite, c'est comme ça, tranquille. Normal. Alors que je veux juste taper à droite, je veux dire. Je vais à gauche, il y a un ennemi à droite, je me retourne vers lui, je le tape. Je veux dire, ça devrait pas être compliqué. Eh ben si, dans le soleil, c'est compliqué. Voilà. Donc bravo, j'ai envie de dire. Bravo d'avoir réussi à foirer quelque chose d'aussi simple qu'un demi-tour. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et pourtant j'ai fait un let's play de ce jeu. Je suis allé jusqu'à la fin, etc. Et jusqu'à la fin, je me suis plaint de ce truc absolument ignoble. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est très peu probable que vous voyez un jour un speedrun de Soleil par moi-même. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Nia. Que tu as tous les détails nécessaires pour comprendre pourquoi je ne ferai pas de run de ce jeu.
Allez, on va aller chercher les derniers objets qui se trouvent dans le jeu. Ainsi que faire la dernière quête de la triche. Parce que oui, on va se retrouver contre un ennemi qui triche bientôt. Alors, déjà, allez au château. Ah non, mais tu peux le trouver très bien, hein, ça, je ne t'empêche pas. Hein. Je ne t'empêche absolument pas d'aimer les jeux que tu aimes, hein, ça, c'est complètement ton choix. Hein. C'est juste que moi, je l'apprécie probablement pas à sa juste valeur. Ok, on est bien. Donc, on va acheter... Il nous manque 5 objets. Donc on va aller directement en acheter 4 au marchand. Ici. Bunny Girl. Et voilà. Alors maintenant, on va aller voir la saleté de saloperie de tricheuse. Que voilà. Ah fuck. Ouais, si tu pouvais te prendre mes coups, merci. Mais ils sont buggés quoi. Les hitbox sont complètement buggés de ces ennemis. Ok, normalement, à partir de maintenant, ça devrait bien se passer. Voilà, donc quand même, pour vous expliquer un petit peu le principe de ce qui se passe, vous allez combattre ce petit vieux qui va se transformer dans tout un tas de monstres, les uns après les autres. Et votre but... c'est de tuer tous ces monstres les uns après les autres sans se faire toucher une seule fois parce que ça met fin au mini-jeu. Ça met totalement fin au mini-jeu. Et ce tricheur de merde a une capacité en fait qui lui donne la possibilité eh bien, de vous taper la gueule une fois que vous avez normalement tué l'ennemi. Donc vous êtes cloué au sol parce que vous avez tué l'ennemi et que le jeu considère que vous avez fini la vague. Mais le petit vieux, lui, continue à vous taper dessus. Comme ça, gratos.
gratos. Donc globalement, c'est une petite pute de tricheuse, ce petit vieux. Et voilà, c'est le décès. Allez, crève donc. Merci beaucoup. On se barre. Allez, on a terminé le 100%. Reste plus qu'à finir le jeu. Reste plus qu'à finir le jeu maintenant. Allez, on fait le dernier donjon en vitesse, s'il vous plaît. On pète la tête au roi Nol et on fait le split final, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, il suffit de demander. Oh putain! Quelle patience! Allez, mais saute, putain! Mais pourquoi t'es tombé, quoi? Mais tu y étais sur la plateforme, je t'ai même vu prendre. Putain, mais non! Bon, il faut raison garder. Ouais, toute la deuxième partie du jeu, elle m'aura vraiment trollé jusqu'au bout. Alors, ne pas oublier de lire le putain d'écriteau. Voilà. Bon, c'est bon. Normalement, à partir de maintenant, ça devrait être pas trop un... Ça devrait plus trop être un... Être trollesque. Normalement. Ok, on appuie sur les quatre interrupteurs dans l'ordre, ça ouvre la porte, on monte ce petit escalier. On se jette. Allez, dernier split.
Non mais... Il est fou, lui. On va nous faire deux fois sa putain d'attaque. Non mais... Tu es d'humeur joueuse. Bah ça tombe bien, moi aussi. Et là, heureusement que je n'ai pas oublié de prendre un coffre. End. Merci. Et voilà, malheureusement, on a perdu le trésor. Eh oui, PB. A new PB. Quelle heure est-il ? Bon. Ok. Eh ben, c'était un run qui était un run. Je peux gagner au moins 5 ou 6 bonnes minutes sur ce temps, je pense. Pour info, le record n'existe pas. Donc le record, c'est sûrement ce que vous venez de voir. Je suis le seul à faire cette catégorie, étant donné que c'est moi qui l'ai créé. Donc ouais, on peut considérer que c'est un nouveau world record pour le 100%. Mais ouais, globalement, je suis assez content du début du run, j'avoue. Mais après, j'ai perdu pas mal de temps sur le dernier donjon et sur l'Egg Shrine. J'ai au moins, ouais, je pense, au moins 3 minutes ou 4 minutes à gagner sur ces deux-là. Et après, j'ai une dizaine de minutes qui est juste de l'exé, quoi. Juste un... Ne pas mourir, moins se faire toucher, récupérer moins d'objets, enfin...
des trucs comme ça, mais ouais, globalement, c'est un temps pas trop mauvais, donc je vais l'enregistrer, le mettre en hold, comme ça je me baserai sur ce temps. Bah ouais, merci tout le monde, n'hésitez pas, donc, comme je vous dis, à vous inscrire à mon Twitch pour d'autres speedruns, des let's play, etc. Parce que l'avenir de la chaîne, malheureusement, est bien sombre, donc n'hésitez pas à créer un compte Twitch et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous venez dire bonjour sur le chat Twitch, indiquez vos pseudos de Millennium. J'essaie de m'en rappeler quand je lis vos messages. Donc, n'hésitez pas à follow. Bon, allez, on va laisser le générique de fin. Et puis après, je vous balancerai la musique, enfin la vidéo d'intro. Et on s'en quittera là-dessus. Allez, bon. Moi, je coupe le micro ici. Je vous fais des bisous. Donc, à jeudi pour la suite du Let's Play Diablo 2 Hardcore Ladder. Et bah, peut-être à la semaine prochaine, hein, si la chaîne est toujours en vie. Voilà. On refera probablement ce run la semaine prochaine. Ou alors je referai un Nini%, je sais pas. Allez! Bonne nuit les gens, des bisous, abonnez-vous à la chaîne Twitch, au Twitter, tout ça, hein. Des points, comme on dirait. Et portez-vous bien, jouez à des bons jeux surtout, c'est important. Et puis à plus, si vous le voulez bien. Allez, des bisous.